Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être en direct sur Info TV. Tous les dimanches, lorsqu'il est 11h30, vous avez rendez-vous avec votre grand débat de la semaine. Il s'agit de votre programme Libre Expression. Nous revenons sur les faits qui auront marqué l'actualité dans notre pays. Ce dimanche matin, nous marquerons un arrêt sur deux faits majeurs. Tout d'abord, ce problème ayant trait du côté de la CAM Water. Ce vendredi aura été un vendredi hyper émouvant avec le limogeage de l'ancien directeur général de la CAM Water. Comment comprendre ce limogeage de Monsieur Obolenga et comment expliquer le fait que l'ancien directeur général de la CAM Water n'ait pas pu assister à cette cérémonie de passation de service du côté de Douala, une passation de service et qui était justement menée par sa tutelle. Il s'agit du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Monsieur Gaston Elundu Esomba. En deuxième partie de ce programme, on essaiera également de faire une sorte un bilan sur le GDN, entendez, le Grand Dialogue National. C'était du 30 septembre au 4 octobre 2019 au Cameroun, lorsque toutes les parties, en principe, s'étaient réunies du côté du palais de congrès de Yaoundé pour résoudre le problème ayant trait au nord-ouest et au sud-ouest. Trois ans plus tard, quel bilan faites-vous du grand dialogue national? Avez-vous l'impression que quelque chose a changé de manière significative après ce grand dialogue national dans notre pays, le Cameroun? De toutes les façons, pour en parler avec un peu plus d'efficacité, ils seront hommes politiques, ils seront politologues, ils seront analystes politiques, ils seront consultants, ils seront tout simplement acteurs de la société civile, parce que voyez-vous, c'est du choc des idées que jaillira à coup sûr la vérité. Le programme, c'est Libre Expression, tous les dimanches sur Info TV, 11h30, 13h et 30 minutes. On commence par accueillir nos invités ce matin. Monsieur le ministre Elvis Ngolé, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, c'est toujours un très grand plaisir d'être invité et de partager le plateau, ce prestigieux plateau, avec les éminentes personnalités co-panélistes. Donc c'est le moment où, de partager les idées, de les échanger, et j'espère que c'est le grand public que vous avez qui sera le grand bénéficiaire de nos échanges et de notre conversation. Elvis Ngolé est justement enseignant d'université et très connu du côté de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Il est politologue, nous le savons déjà très bien. Il est ancien ministre de la République, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir au Cameroun. Monsieur le ministre, merci d'être là ce matin. Merci. Nous allons également accueillir notre consultant qui vient de faire son entrée dans ce studio. Il s'agit justement de Pierre Blériot-Niemec. Pierre Blériot-Niemec, bonjour. Bonjour, parfait ici, et bonjour à ton riche panel. Comme le disait Monsieur le ministre, c'est ton audimat qui se trouvera enrichi de nos échanges. C'est toujours un plaisir d'être là. Pierre Blériot-Niemec est donc en poste pour justement croiser le verbe ce dimanche dans le cadre de votre programme Libre Expression. Merci de l'accueillir de manière convenable ce matin. Nous accueillons un autre invité ce dimanche. Il s'agit de Monsieur Renaud Ebouto. Renaud, bonjour. Bonjour et merci de me faire l'amitié de m'inviter ce dimanche pour participer au débat. Je vais dire bonjour comme ça aux copanélistes, au vu de la qualité des copanélistes. Nul doute que nos téléspectateurs de ce dimanche auront du grain à moudre. Vous êtes analyste politique, mais également écrivain. Exactement, je suis écrivain signé aux éditions L'Harmattan. D'ailleurs, le 20 octobre de cette année, je vais faire la dédicace de mon roman « Ezeka dans le train de la mort » à l'Institut français de Yaoundé. Voilà. Le roman est intitulé « Ezeka dans le train de la mort ».« Ezeka dans le train de la mort ». Voilà, c'est pour, vous savez, en Afrique, nous avons une tradition orale, mais pour sortir de cette tradition orale-là, donc,
il faudrait qu'on commence à coucher par écrit, enfin, les histoires qui nous ont marquées, etc. Donc, pour que cette histoire des Écas ne passe pas inaperçue et qu'on ne l'oublie pas. Donc, c'est un devoir de mémoire que l'on va rendre le 20 octobre. Vous savez, la catastrophe avait eu lieu le 21 octobre, donc la veille de la commémoration des 6 ans. Nous allons donc rendre vibrant hommage à ces victimes-là et voilà, et nous allons donc commémorer ensemble. Et surtout que nous nous disions plus jamais cela. Bien sûr, plus jamais ça. Les Écas dans le train de la mort, c'était triste, hein? Vraiment triste. Plus jamais cela. Merci Renaud et Boto d'être là ce matin. Le dernier invité ce matin, et c'est la voix de l'opposition dans le cadre de ces échanges ce dimanche en direct sur Info TV. Monsieur Atuba, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à mes copanélistes, Mériot, professeur. J'ai l'impression que vous aimez bien ce plateau-là parce qu'on se retrouve encore aujourd'hui. C'est peut-être le plateau fétiche. Voilà. Toujours gagnant. Permettez-moi de dire d'avoir une pensée pour mes amis politiques qui sont embastillés, de saluer ceux qui ont été libérés ces derniers jours, et plus particulièrement Madame Thérèse Asamoah, qui, malgré la persécution, malgré les humiliations, malgré la torture, a démontré que la prison n'était pas la solution à la résolution des problèmes du Cameroun. Explique-nous la torture au Cameroun. Certainement qu'on n'avait pas vu des images, surtout concernant cette dame qui a été tabassée, ridiculisée, Tabassé jetée par... dans un trou par qui, vous savez. Donc, en même temps, je dirais bonjour aux populations de Kamsamba qui n'ont pas pu organiser l'installation des équipes du MRC nouvellement élu à cause de l'alliance collectivité décentralisée et l'administration qui empêche au MRC toute possibilité d'organiser quoi que ce soit. Vous pensez que l'administration gagne quelque chose en empêchant Il faut le leur MRC poser la d'installer son salle? question, il faut leur poser la question, personne ne sait pourquoi ils font. Malheureusement, c'est le cas. Je vais terminer en l'émotion de soutien. Non, ma motion de soutien, je l'adresse à mon frère Dieudonné qui est le promoteur de cette chaîne, qui, malgré les obstacles, tient le coup. Donc, je lui adresse vraiment une motion de soutien. Le très grand frère, Dieudonné Vent, qui peut plier, mais il ne rompt pas. Absolument. Merci beaucoup. Hein. Je signale tout simplement, les téléspectateurs l'ont soupçonné, que M. Atuba est justement membre de l'opposition et milite pour les idéaux du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, du professeur Maurice Kamto. Il est par ailleurs le secrétaire national à la communication de cette formation politique. C'est exact. Exactement. Merci d'être là ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. Avant que nous prenions la première transition, je voudrais vous suggérer de poser un regard et peut-être une évocation sur un grand commis de l'État qui nous a quittés cette semaine au Cameroun, professeur Elvis Ongolenghole, votre ancien collègue du gouvernement, monsieur le vice-premier ministre Amadou Ly, n'est plus de ce monde. Il s'en est allé à l'âge de 79 ans. Une évocation. Oui, j'ai connu le vice-premier ministre Amadou Ly comme mon aîné. En quelque sorte, il était même comme un mentor. C'était un grand homme, un grand esprit qui était comme un parent pour tout le monde. Il aimait conseiller. Il m'avait reçu une fois dans son cabinet en tant que ministre de la Justice. Et on a partagé le thé et le café. J'ai beaucoup apprécié sa manière et son esprit. Et je pense que c'était un homme, un grand homme. Nous avons perdu un grand commis de l'État, un homme d'État, et un homme qui était, dans sa parole, il était droit. Il était droit. Il ne cachait pas ce qu'il voulait dire, et c'était droit toujours. Et je crois que bon, c'était un grand patriote. Il était suffisamment objectif. Bon, l'objectivité, je crois que c'est relatif. Pour moi, il était un homme objectif. Il était droit. Il disait ce qu'il pensait. Il ne faisait pas dans la Et l'amour du pays et l'unité du pays, pour lui, c'était les valeurs
qui était, on n'était pas à discuter. Il était vraiment un homme attaché aux valeurs de la République, à l'unité de, de notre pays. Et là, en tant que une sorte de en tant que un grand frère, moi je le trouvais toujours comme un mentor, hein, puisque chaque fois que vous l'écoutez, il donnait les bons conseils et à tous ceux-là qui sont les cadets comme nous. Et je l'appréciais beaucoup. Et il nous encadrait beaucoup. Et je me souviens dans le cadre de problème de Bakassi, le conflit de Bakassi, il était très impliqué, puisque c'est lui qui était le président de la commission mixte. Et vraiment, son rôle qui jouait était un rôle très, très important, très utile pour notre pays. Merci beaucoup, hein, professeur Elvis Ngolin-Ngolin. Renaud et Boto, nous avons donc justement également eu des images. Hein. Plusieurs personnes ont trouvé qu'elles étaient choquantes. Très choquantes. De la toile, la dépouille du vice-premier ministre Amadou Ali, pratiquement à même le sol, enroulé dans un drap. Pour beaucoup, c'était également une leçon pour nous faire comprendre que vous avez beau être milliardaire ou alors ministre et que sais-je encore, vous finirez poussière. Vous situez à quel niveau entre humiliation et leçon de vie? Ce n'est pas du tout une leçon de vie. Peu importe les combats ou alors le ressenti qu'on a vis-à-vis d'une personne, il y a le respect dû aux morts. Même un mort a droit à la dignité, c'est pas sérieux. Il faudrait justement que l'on dise aux internautes qu'on ne publie pas tout. C'est pas tout qu'on publie sur la toile. Moi j'ai été choqué, j'ai trouvé ça très triste de voir comment est-ce qu'on a, on s'est acharné sur ce monsieur, même sur son lit de mort. C'est-à-dire à l'orée de sa vie, il fallait quand même oublier. Peut-être que des gens avaient un intérêt particulier à essayer de l'humilier. Il fallait oublier ça, le laisser aller reposer en paix. Parce que vous savez que la vie sur Terre, je crois que plus tard il y a un Dieu. Et puis tout se jugera plus tard. Mais le voir couché à même le sol, empaqueté dans un drap blanc, avec autour de lui des gens comme des croque-morts autour de sa dépouille, c'était choquant. Et moi personnellement, je suis choqué. Merci beaucoup, hein. Monsieur Atuba, disons quand même que Amadou Ali a quand même également marqué une certaine époque au Cameroun avec une de ses prises de position restée vivace dans nos mémoires lorsqu'il parlait de l'alternance au Cameroun avec les fameux câbles du Wikileaks. Amadou Ali a estimé que le Grand Nord, qu'il appelait le Septentrion, continuera à soutenir le président Paul Biya tant qu'il voudra être président de la République, mais qu'après le président Paul Biya, Mba Miléké ne pourra jamais prendre le pouvoir. Oui, parfait. J'ai quand même voulu, contrairement à mon jeune frère d'à côté, je pense que il y avait toute une symbolique dans ce mot d'inhumation qui est propre aux musulmans, parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose de volontaire. C'est comme ça que c'est la pratique chez eux de montrer que au-delà de tout, nous sommes des mortels. Et c'est pour cela que je pense que quand on a eu le privilège d'occuper certaines fonctions sur des fonctions publiques, ça, il faut poser des actes qui permettront. Parce que forcément, vous serez soumis au jugement de l'histoire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le ministre Amadou Ali est face à ce jugement par rapport aux actes qu'il a posés pendant l'exercice de ses fonctions. Notamment, vous venez de faire allusion à ses propos dans les cas de Wikileaks. En fait, il n'y a pas que ça. Vous vous rappelez la fameuse affaire Ezoa Titus, sa conversation téléphonique avec le ministre Akamou Fumou, où il disait, c'est-à-dire que vous sentiez que c'était, il y avait une volonté de faire mal aux autres, à ses compatriotes, en disant le fameux rouleau compresseur, l'expression vient de lui, c'est lui qui l'a utilisé dans cette conversation là. Donc je dis, nous ne sommes pas les juges, il y a un seul juge qui est Dieu. J'espère que tout ce que je peux lui souhaiter, c'est un doux repos et que ses œuvres parleront pour lui. Si vous me permettez, ce n'est pas la mise en scène qui choque, c'est la photo qui choque. C'est-à-dire que
Vous l'avez si bien dit. Chez les musulmans, on enterre même avant le coucher du soleil. Mm-hmm. De cette façon, ce n'est pas ça qui est choquant. C'est la photo. Pourquoi la publier sur les réseaux? Il y a une volonté manifeste d'humilier, en fait. Je pense que nous sommes dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, on ne peut plus rien cacher. Puisque la cérémonie est publique. Mm-hmm. Les gens sont là. Encore que c'est pas certain que ceux qui ont publié ça avaient l'intention de l'humilier, c'était juste pour partager la cérémonie. Donc, nous autres. Que les commentaires que les donc, les gens, je pense que c'était. Certains le faisaient de bonne foi et partageaient la cérémonie. Et par rapport aux cultures, vous savez qu'on pouvait être choqué de voir, parce que chez nous, c'est des cercueils en or, c'est tout un ramdam. On voulait nous montrer, effectivement, comme je l'ai dit, que. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Merci. Hein. De toutes les façons, pour mon ami du MRC, c'est une leçon de vie. Pour le Eboto, c'est une humiliation. Je ne sais pas ce que mon consultant dira. Alors, Pierre Blériou Niemek, Amadou Ali n'est donc plus de ce monde. Le moins que l'on puisse dire est qu'il aura été un haut commis de l'État, selon le professeur Elvis Ngolengolet, un grand patriote. Oui, on ne peut pas lui contester le patriotisme, sauf que chacun a sa notion de patriotisme, vous savez. Le président Ali Dio a laissé une idée de la patrie comme une et indivisible, et certains s'accrochent à ça et croient que si on a deux États, c'est qu'on a divisé le pays, c'est que c'est gâté. Bon, il fait partie de ceux qui pensaient comme ça. Maintenant, au niveau du choc, par rapport aux images. Je vous ai dit, quand je mettais ma vieille à la morgue, ouais. La jeune fille qui a pris le corps m'a dit qu'on appelle ça le déchet. J'ai été choqué parce que mes organes ont été... Je lui dis, mais comment tu appelles ça le déchet? Elle me dit que non, la semaine dernière, c'est le déchet de ma propre mère que j'entretenais ici. Donc, ça, vous voyez, ça dépend des prismes. Vous êtes choqué. En fait, il est choqué parce que c'est Amadou Ali, mais il a souvent vu de telles images. Comme vous connaissez même pas les noms des gens qui étaient couchés. Ça, non. Bon, en fait, d'abord, la mort est banale. Il faut qu'on rentre à cela. Quand on a fini de vivre, c'est le déchet qui est là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est pour cela que je vais rejoindre le grand frère Atuba en disant que nos œuvres doivent être suffisamment éloquentes. Elles doivent être belles. Au-delà du respect dû aux morts. Si vous avez été une mauvaise personne, vos œuvres vont vous suivre. Même si on donne un bon témoignage, on dit que non, il était le plus beau, vraiment au niveau du parti, c'est lui qui cotisait avant tout le monde, même si on dit cela, la réalité va vous suivre. Et je connais un monsieur, dès qu'on prononce son nom quelque part, ses enfants ne sont pas reçus. On veut même signer, dès qu'on dit que c'est le fils de... Non, ton père était très mauvais. Ton père était très mauvais. Ton père a gâté les carrières des gens. Non, vraiment. Il est encore mieux que la place là, reste comme ça. L'enfant écoute ça. Donc, nous devons travailler pour nous-mêmes, mais aussi pour notre après. Posons des actes. Les bêtises disent Bourba et Simsam, Mandou d'abord. Les gens, les boulons, les voilà. Les gens penseront à ce que nous avons fait en réalité. Maintenant, il a servi pendant de nombreuses années, depuis le président Ali Dio jusqu'au président Biya. Ça veut dire que ces présidents lui ont fait confiance. Eh bien, il avait une personnalité assez forte. On n'a pas beaucoup d'Amadou Ali dans le gouvernement des deux gouvernements. Hein. Amadou Ali, c'est les dimensions de Laurent Essos. On peut pas en citer beaucoup. C'est que des figures, quand vous deviez parler d'Amadou Ali, il fallait prendre du recul. C'est pas un ministre quelconque. Ça, on a pu observer. Il a été ministre de la Défense. Il a été ministre de la Justice. Secrétaire d'État à la gendarmerie. Donc, c'était un des ponts de ce régime. Il était très respecté dans son parti, dans sa région. Il a fait ce qu'il a pu. Mais nous disons que pour la mort, il faut la banaliser. C'est la seule chose que nous avons tous en commun. Pour ceux qui se battent à ne pas mourir, je veux les rassurer, ils vont mourir. Merci beaucoup, hein. Pierre Blériou Niemek, de toutes les façons, Okolofata, qui était donc le village natal d'Amadou Ali, pleure un fils, le Cameroun tout entier, pleure un serviteur de l'État. Une transition pour nous dresser en réalité le canevas de ces échanges. L'édito de la semaine, une enfer de Jean-Claude Foulard.
L'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Sauf qu'au Cameroun, cette pensée risque d'avoir le droit d'être considérée contrairement, et cela compte tenu de la réalité boueuse qui coule dans certains ménages et qui, à la limite, laisse à la merci de toutes les maladies le pauvre citoyen. Au moment de penser à l'extension du réseau de distribution dans les métropoles et les zones périphériques, avec au passage la mise à jour des tuyaux et de tous les mécanismes concernés, c'est une grosse actualité qui prend droit de cité avec le limogeage du désormais ex-directeur de la Camwater, Gervais Bolenga, désigné comme le très incompétent et responsable et indexé à tout prix et à tous les prix des déboires que subissent les populations à propos et en plus champion du monde des malversations financières. 6 ans exactement après sa nomination au poste de directeur général de la Camwater, l'homme âgé de 50 ans a vu ses heures commencer à s'assombrir à la suite de l'annonce de la tenue du conseil d'administration extraordinaire et de son éventuelle interpellation par les autorités judiciaires. 2 annonces concrétisées cette semaine et qui voient l'espoir de tout un village reposer désormais entre les mains de celui que l'opinion appelle déjà Kirikou, à savoir Blaise Moussa, suite à sa nomination le 30 septembre dernier comme directeur général de la dite structure, en lieu et place de Gervais Bolenga, qui selon certaines sources est porté disparu et demeure introuvable entre les tuyaux et Château d'eau pour une affaire qui est alors loin d'avoir dit toutes ses vérités au vu du nombre des responsables et des faits qui s'y greffent. En attendant, voici déjà 26 328 heures, soit 1097 jours, équivalent de 3 ans et 2 jours, jour pour jour, que se tenait le Grand Dialogue National au Cameroun. Une initiative du président de la République, Paul Biya, chef de l'État, le but fondamental étant de réunir toutes les filles et tous les fils du Cameroun autour d'une table pour une réflexion collective sur les problèmes saillants impactant de façon directe ou indirecte au rayonnement du développement du pays et surtout à l'épanouissement de tous et de chacun, avec un point d'orgue sur la situation socio-sécuritaire au nord-ouest et au sud-est du Cameroun. 3 ans plus tard, après la tenue de ce grand dialogue qui a réuni pendant 5 jours le gouvernement camerounais et différents partis d'opposition, il n'est pas exagéré de s'interroger sur la situation exacte de l'implémentation des résolutions retenues à cet effet. De façon hâtive, une certaine opinion peint les 3 années en noir, et cela peut-être avec raison, au vu de la situation précaire dans laquelle évoluent certaines familles aujourd'hui. Le coût de la vie de plus en plus cher, la dépravation des mœurs dans une accentuation inquiétante, et surtout la situation socio-sécuritaire du Nozo qui va de mutation en mutation, avec, aux dernières nouvelles, le kidnapping des religieux. De quoi croire à ce que, forcément, même le paradis est dépassé par les événements au point d'admettre toute cette aberration qui découle de ce paragraphe ô combien cauchemardesque. Un cliché noir, certes, mais qui, loin du bénéfice du doute, est considérablement éclairci par la force des faits qui s'inscrivent et de manière palpable dans la somme des efforts gouvernementaux. Dans ce registre, la mise en place du programme de désarmement et de réinsertion, le statut spécial des 2 régions du Nozo, la vulgarisation du bilinguisme entre autres et en bonne place, la quête permanente du retour au définitif de la paix dans cette partie du pays avec la réduction des facteurs gênants de l'atteinte des 10 objectifs, citant pour exemple l'élimination de Field Marshall tout récemment, mais aussi des avancées considérables du plan de reconstruction du Nozo sont des éléments à cités entre autres et qui peuvent nourrir un grand espoir aussi. De quoi s'en féliciter s'il y a lieu. 2 sujets qui suscitent cependant une très grande attention pour la réflexion et proposés à juste titre ce dimanche dans le cadre du programme Libre Expression du sac de modérateurs et de ses prestigieux invités du jour. Sur ce, bon dimanche et à dimanche. Bon dimanche donc, Jean-Bruno Effangonan. Ce n'était pas Jean-Claude Fouda, c'était bien évidemment Jean-Bruno Effangonan. Merci pour l'édito de la semaine. Monsieur le ministre Elvis Ongolengole, je vous suggère que nous prenions d'abord le thème qui porte sur le limogeage de celui qu'il faut désormais appeler l'ex-directeur général de la Camwater. Un limogeage comme d'un autre genre.
Écoutez, comme vous le savez, dans ce que vous appelez limousinage, je crois que... C'est moi qui appelle. Oui, je vous utilisez ce mot. Parce que ça tout l'air. Je sais qu'il y a eu changement. Vous n'avez pas eu l'impression que cela s'est déroulé sans façon? Bon, pour moi, vous savez, pour moi, c'est que l'État a ses missions, ses devoirs régaliens. Et une structure comme Kamwata, c'est une structure étatique. Tout à fait. Et l'État, dans l'accomplissement de ses missions régaliennes, il a un rôle politique à jouer. C'est-à-dire, puisque dans ce genre de structure comme Kamwata, vous savez, il y a la vocation ou bien le devoir de donner de l'eau aux populations. Et sur le plan politique, si il y a, les populations se plaignent, du point de vue politique, l'État doit jouer son rôle, l'État doit faire quelque chose. Donc, ce qui s'est passé au sein de Kamwata, c'est que sur le plan politique, l'État qui est, qu'est-ce qu'on va dire, propriétaire ou actionnaire principal de Kamwata, a joué son rôle régalien politique. Mais sur le plan managérial aussi, comme vous le savez, quand une structure est créée, cette structure sur le plan managérial doit être bien managée, c'est-à-dire la gestion doit être... ceux-là qui sont dans l'équipe managériale doivent faire son travail pour s'assurer que les objectifs soient atteints. Si les objectifs ne sont pas atteints, du point de vue managérial, l'actionnaire principal ou le propriétaire a le devoir managérial d'intervenir ou de faire quelque chose ou d'effectuer un changement. Je vois que c'est ça que vous voyez au sein de Kamwata. Hein. Très bien. Et personne ne peut critiquer le fait que l'État a intervenu et a joué son rôle qui est sur le plan politique, pour moi, normal. Et sur le plan managérial, je crois qu'on a eu ce changement. On verra. Est-ce que ça va donner et les objectifs attendus ou bien les attendus. Moi, je pense que tout actionnaire au sein d'une structure, une entreprise ou privée ou publique a ses rôles à jouer. Dès que vous êtes fondateur ou propriétaire, vous êtes actionnaire et il y a quelque chose, vous vous demandez est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce que ceux-là qui devaient être les bénéficiaires, est-ce qu'ils sont satisfaits ou non? Si c'est négatif, vous jouez le rôle, c'est-à-dire c'est un devoir même de faire quelque chose. De toute façon, l'État est dans son rôle. Dans son rôle. Merci. Hein. Dans son rôle. Monsieur Atteba, on finit par s'habituer avec ce genre de situation, ce genre de limogeage spectaculaire. Est-ce que ce style de vie a apporté un changement notoire? En d'autres termes, quelle est la lecture globale que vous faites de cet autre limogeage du côté des Kamwateurs? Vous savez, parfait, je suis surpris que nous soyons surpris par ce limogeage. Vous savez, la gouvernance de M. Biya a opté, au lieu de l'approche par compétence, a choisi l'approche par affinité. Ah bon? L'approche essentiellement politique, c'est-à-dire qu'on a mis du politique en tout. Vous avez bien suivi le professeur là, relevé tout à l'heure, que c'était beaucoup de dimensions politiques dans cette... vous savez, si on rentre un peu en arrière, il y a eu un directeur général de la SNEC, le premier Camerounais à ce poste, Monsieur Boufoué, qui était un ingénieur hydraulique. Il était dans son domaine. On avait la SONEL qui avait un ingénieur, Monsieur Niad Difendi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Monsieur Aïdjo travaillait sur la compétence pour avoir des performances et des résultats. Mais maintenant, on a tout politisé, c'est-à-dire on nomme des gens pas parce qu'on attend forcément un résultat, mais c'est parce qu'ils sont dans une filiation, parce qu'ils défendent d'autres intérêts que ce pourquoi ils ont été mis là. Imaginez, je crois que c'est depuis Monsieur, je ne vais pas lui faire d'injure, Monsieur Atanakuna, il a commencé à administrer le CDE, Kamwata et autres. Comment pouvez-vous imaginer qu'une société comme la CDE, qui est essentiellement technique, je crois qu'aujourd'hui, tous les ingénieurs font des formations en management. Tous les ingénieurs. C'est-à-dire que la plupart, à quelques exceptions près, c'est les managers. Et une société, comment voulez-vous qu'on nomme quelqu'un dans une société comme la fourniture de l'eau, qui ne peut pas lire
un circuit, qui ne connaît pas le nom d'une pièce, qu'est-ce qu'il va comprendre? Donc, on ne peut pas être surpris par ces résultats. Je me rappelle, il y a une année, il y a eu un problème de sur la route de venant de Balmayo. Je crois que ça borne 12. Tout à fait. Au Bouffeau, il était dans le chantier, en botte lui-même. Le président avait dit qu'il lui donnait, je crois, il allait dire 48 heures. Donne 48 heures. À moins de 24 heures, lui est revenu. Oui, lui est revenu. Au Bouffeau était dans. Il était lui-même là. Mais il fallait quand même aussi que le président de la République. Entre temps, est-ce qu'on Bouffeau, ça ne fallait pas que sa fourniture était coupée. Non, là, c'était un, il y a un problème technique, c'est-à-dire que les conduits, les gros tuyaux qui venaient, il y a un qui a explosé. Et c'est pas la SNEC qui avait construit, c'est une société qui l'a fait, donc il y avait des défaillances. Et il fallait bien qu'il intervienne. Donc pour dire qu'il fallait quelqu'un qui maîtrise son domaine pour intervenir en 24 heures comme il avait fait. Donc aujourd'hui, si vous... Moi je pense que... Vous pensez que maintenant c'est la navigation à vue. Je pense que parce que si vous regardez les financements, les crédits que le Cameroun a contractés pour résoudre le problème de l'eau au Cameroun, mais... C'est pas pour... Donc, je suis arrivé à la conclusion que s'il y a un pôle des détournements de l'argent, un circuit des détournements de l'argent, c'est bien à travers ces histoires de l'eau. Parce que ça fait longtemps qu'on débloque des sommes. Vous allez me dire que je parle de Bouffeau, parce que peut-être j'ai le privilège de le connaître, j'étais un parent. Un jour, il me dit, quand il entend les montants, les crédits qu'on prend pour résoudre des problèmes d'eau, il se demande si ça va pour alimenter toute l'Afrique centrale. J'ai entendu mon temps pareil, du moment où il était directeur. Ce n'était pas lui qui était directeur. C'est lui qui était directeur. Et pourquoi il est surpris? Non, mais pas les montants. Mais parce qu'il faisait des propositions. Non, c'était pas lui. Justement, c'est après lui. C'est que les montants des crédits dans lesquels le Cameroun s'engageait, pour... ça dit, il n'arrivait pas à comprendre. Il me disait que mais ce serait peut-être pour alimenter et le Cameroun et la Guinée. C'est peut-être pour cela qu'il était poursuivi par la justice. Donc, pour dire que. Et il y a une autre chose, une autre confusion qui m'a. Je chuterai par là. Je vais chuter. C'est-à-dire que, ouais, là, il disait que. Il avait travaillé pendant très longtemps. C'était normal qu'il ait une retraite. Il n'avait pas de souci avec ça. Mais ce qui le choquait, c'est que la SNEC avait formé des Camerounais, des cadres compétents. Donc, il savait que quand il part, on prendra un de ces cadres en fait, pour continuer le travail. Donc, vous dites, le résultat que nous avons là, on ne peut pas être surpris par ces résultats parce qu'on est rentré dans le tout politique. On est rentré dans le tout politique. C'est-à-dire que les fonctionnaires, les administrateurs qui viennent s'occuper des choses qu'ils ne connaissent pas, alors qu'il y a des compétences au Cameroun en regorge, il y en a suffisamment, mais comme nous ne sommes pas dans le circuit, parce qu'il faut placer quelqu'un qui fait allégeance à X, qui va rendre compte à Y, et on lui le couloir. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour le résultat. Donc, très bien. On ne peut pas du tout passer le résultat. On vous a compris. Alors, Renaud Eboto, l'ex-DG, il faut désormais l'appeler ainsi, Bolinga Gervais, est donc parti. À votre avis, hein, quelle analyse que vous pouvez poser? D'autres parlent d'une incompétence criarde. Beaucoup estiment les problèmes purement d'ordre politique, les problèmes de positionnement. Bon, je dois d'abord dire que les Camerounais sont très complexes à comprendre. C'est-à-dire que on va nommer un footballeur à la tête de la FECAFOOT. Ils seront les premiers à lui tirer dessus. Pourtant, ils réclamaient un footballeur à la tête de la FECAFOOT. Donc, dans le cadre de la Kamwata, voilà que maintenant, on demande des ingénieurs hydrauliques. Pourtant, quand ils étaient là, on se plaignait de ce même Bouffeugueux. On le mangeait à toutes les sauces. Donc, c'est quand même assez complexe, notre pays. Bon, en ce qui concerne Bolinga Gervais, l'ancien directeur qui a été débarqué, si on s'en tient aux lanceurs d'alerte, ils nous ont, les lanceurs d'alerte sur la toile nous ont fait savoir qu'il y avait déjà un climat délétère au sein de la maison entre l'ancien directeur général et le PCA. Donc, peut-être que c'est ce qui aurait entraîné le départ de celui-là. Toujours est-il que je ne peux pas ne pas le relever. Celui qui est nommé, Blaise Moussa, c'est un jeune, il faut le dire. Donc, étant le plus jeune sur ce plateau, je dois le souligner. C'est un jeune. Donc, c'est très encourageant pour les jeunes de voir un jeune arriver au Cameroun à être directeur général d'une entreprise aussi importante que la Kamwata. Il me semble que pendant les élections présidentielles de 2018 ou en marge, certaines officines ont voulu peindre le Cameroun
comme un état où un état sauvage où on a abandonné la jeunesse, où voilà, l'Eldorado c'est l'Occident parce qu'ici il n'y a plus rien à faire pour les jeunes. Donc de voir apparaître des profils comme celui de Blaise Moussa, de voir apparaître vous dites, des attendez, vous dites que c'est un jeune, mais quelqu'un te pose la question de savoir c'est quel genre de jeune. C'est ce jeune-là qui était membre du conseil d'administration de la Tsunami. C'est ce jeune-là qui était directeur DAG dans un département ministériel. C'est ce jeune-là qui était ci, qui était ça. Est-ce que c'est un jeune ordinaire? Ce n'est peut-être pas un jeune ordinaire parce que son ministre, c'est son ministre utilisateur, le ministre de la fonction publique, a fait un post Facebook sur lui il y a deux jours, disant que il salue la probité morale et les compétences de ce monsieur. Vous vouliez que le ministre de la fonction publique vienne dire qu'il saluait l'indélicatesse morale. On tient à ça. Vous dites la camarade. Ne le connaissant pas personnellement, on s'en tient à ça. Et puis, on l'a quand même vu comme secrétaire général de la FECAFOOT à l'époque de Tom Biaroko Siliki. Il a plutôt fait un travail acceptable. Okay. Donc, je disais que non seulement nous avons ce jeune-là, Blaise Moussa, mais nous avons Boyegono de la Tsunamine. Vous voyez que le chef de l'État fait de plus en plus confiance à la jeunesse pour les mettre à des postes de responsabilité. Donc nous voulons lui demander de continuer. Il y a d'autres jeunes. Celui aussi, qui est parti même, il est venu étant aussi jeune, hein, Bolenga. Bon, relativement. Mais il faudrait que justement nous continuions donc à promouvoir la jeunesse comme l'a fait le chef de l'État le 4 janvier 2019 en injectant dans le gouvernement quelques jeunes qui aujourd'hui font leurs preuves par leur travail, par leur abnégation. Donc moi je souligne le fait que Blaise Moussa est un jeune et qu'il faut qu'on continue à faire confiance à des jeunes. Merci beaucoup pour ce soutien à la jeunesse, à Mondovision. Pierre Blériot-Niemek, les sociétés en charge de la gestion de l'eau au Cameroun sont-elles maudites? Pourquoi je pose cette question? Depuis que l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, le docteur Basil Atanganakuna est parti, il faut souligner que celui qui met sur pied la Camwater, la CDE, on a l'impression que tous ceux qui sont passés après lui ont eu d'énormes problèmes. Nous avons encore le dernier limogeage de Bolinga. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur de l'eau au Cameroun? Bon, vous permettrez que je fasse une incursion dans le développé de mon prédécesseur. Allez-y. Qui vantait la jeunesse de Blaise Moussa. Et je souffrais. Hein? Je souffrais parce que si Blaise Moussa fait la cour à une jeune fille, elle va l'appeler Sugar Daddy. Quand Bolinga arrivait, il avait 44 ans, il était un sugar daddy. Si vous avez moins de 40 ans, on peut encore vous appeler jeune. 40 ans, vous êtes vieux. Moi, le film m'appelle Sugar Daddy. Je ne sais pas comment Blaise lui fait pour être jeune. Non, vraiment, la jeune. On n'est pas con. Quand vous aurez 40 ans, vous allez voir ce que les filles vont dire de vous. Donc, ils ne sont pas jeunes. Ils ne sont pas jeunes. Mais là n'est pas le problème. Moi, je n'ai pas une lutte entre jeunes et vieux. Je déteste les mauvais vieux qui n'aiment pas certains jeunes. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont très incompétents. Ils viennent au pouce avec l'idée de s'enrichir plus vite que les vieux. C'est-à-dire, maintenant, on dit déjà comment on la volait. On dit qu'il était champion de vol. Mais 6 ans durant, on le regardait. Parlons d'incompétence. Est-ce qu'on avait l'eau? Moi, je ne veux pas savoir s'il y avait si on lui tendait les pièges, le PCA. Est-ce qu'on avait l'eau? Est-ce qu'on a l'eau? Non. Qu'est-ce que nous on veut? Le ministre vous disait que le politique agit, c'est qu'effectivement, le président est obligé d'agir s'il voit que la population peut se révolter. Nous, on n'a pas l'eau. Nous, on veut l'eau. On ne veut pas ça. Moi, je n'ai pas connu Bolinga jusqu'à son limogeage. Beaucoup ici ont vu son visage le jour de son limogeage. Donc, vous voyez à quel point on vous a laissé le Cameroun. Vous faites tout. Mais faites au moins que les services sociaux de base. Les gens vous demandent l'eau. Ils ne veulent même pas savoir si Bolinga est en train de faire un R plus 8, un R plus 25. On veut l'eau. Bolinga est incapable. Parce que c'est à lui qu'on a confié la Cam Ouattaou. Comme on est en train de la confier à Blaise Moussa. Moi, j'ai dit, si vous dites que comme il est jeune, vous lui parlez de l'Africa Food. Moi, je veux que les jeunes arrêtent de nous souiller. Hein. Voilà donc, on vient de lui confier. Nous, on attend l'eau, hein. On veut que ça coule tout le temps. Et si ça ne coule pas, il va subir. Bien évidemment. Parce qu'au moins, ça, la voix du peuple. L'eau n'est pas quelque chose, un besoin qu'on peut différer. On ne peut pas dire que, bon, je vais boire de l'eau l'année prochaine. Non, c'est un besoin urgent. On veut de l'eau.
Ceux qui s'intéressent au gouvernement par la négligence, la Kamouat a depuis un certain temps constitué un cas d'école. Jusque dans les quartiers, vous pouvez l'observer. Un tuyau peut rester cassé pendant des mois et des mois. L'eau coule à flot. Les populations aiment même ça. Ainsi de suite. On va vous dire que pour qu'on résolve tel problème, il faut qu'on vote d'abord le budget. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Atuba qui estime qu'il faut des ingénieurs hydrauliques à la Kamouata. Non, Niat et Obofogo n'ont pas été de bons exemples. Jamais. Ils n'ont pas pu planifier. Niat et Obofogo ont agi avec le Cameroun qui avait 11 millions d'habitants. Et ils ont agi comme si le Cameroun aurait toujours 11 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est obligé de tout recommencer. Au niveau, par exemple, de la SINEC de l'époque, la SINEC s'est réduite au niveau urbain. La SINEC ne s'est pas ouverte au monde rural. Vous avez la SINEC au village? Pas du tout. Bon, moi, au village, bon. Mais il y avait quand même de l'eau dans le village de Beaufeuguin. Non, mais comment? Il y avait de l'eau dans le village de Beaufeuguin. Quand le départ est au tribunal, le CAFA ne peut pas se plaindre. Donc, c'est terrible. Mais on a tout fait pour que l'eau. Non, il y avait beaucoup de lumière dans le village de Niat. Ouais, c'est vrai aussi. Oui, donc, non, je veux dire que le gouvernement, par la négligence et à perpétuité, n'est pas bon. Il faut placer des gens avec des objectifs à court terme et les gérer de manière rigoureuse. Blaise Moussa qui vient d'être là, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, Blaise Moussa, qui est partout. On vante aujourd'hui, c'est comme ça que vous avez vanté et tout. Vous êtes toujours là, dès qu'on nomme quelqu'un, il est bien, il a sa place dans 3 mois. On va entendre. Nous allons. Entre temps, quand même, je vous suggère de garder la parole, Pierre Blériot. Ce Blaise Moussa, là également, trop de postes de responsabilité, quand même, aussi pour l'homme, pour ce jeune. C'est vrai qu'il est donc jeune, probablement qu'il est donc plein de dynamisme. Alors, c'est le seul jeune qui était compétent pour aller du côté de la Kamouater. J'ai la faiblesse de penser que les raisons ont eu encore raison de nous. Il fallait mettre un homme de crise. C'est-à-dire, on choisit quelqu'un pour venir résoudre un problème ponctuel. Il n'a pas d'autres obligations. C'est vrai, on a commencé à le décharger à la tsunami. C'est là-bas seulement qu'on a enlevé. On a commencé. Espérons qu'on va le décharger pour qu'il se concentre sur l'affaire de l'eau, qui est une affaire importante. On a beau être jeune. Moi, ce cumul-là, de toutes les façons, va réduire son efficacité. S'il vient pour adresser cette question de manière sérieuse, moi, je m'en fous de la couleur du chat. Ce que j'attends du chat, c'est qu'il tue les souris. Très bien. Merci. Oui, allons-y. Après, M. Niamek, je voulais dire que, vous savez, notre problème, c'est que nous, quelle que soit votre génération, jeune ou vieux, il faut qu'on comprenne que dans les affaires publiques, quand on est dans le domaine public, tout est politique. Surtout, quelque chose, le domaine de l'eau, de l'eau dans la vie. C'est tellement politique que l'État et le chef de l'État ne peuvent pas, sur le plan politique, accepter que jeunes ou vieux qui soient nommés, qui soient privilégiés par une nomination, se comportent à travers manquement de la compétence, comme M. Atuba disait tout à l'heure. Nous tous, même si vous êtes vieux ou jeune, il faut bien comprendre que pour celui qui vous a nommé, et au nom de l'État, vous devez manifester la compétence en tout temps, en tout lieu. Ce qui se passe chez nous, c'est qu'on constate que certains d'entre nous oublient qu'on est dans le domaine public, on n'est pas dans le domaine privé. Et donc dans le domaine public, le chef de l'État, au nom de l'État, est celui qui a le pouvoir, constitutionnel politique, de gérer tous les aspects dans le domaine public. Donc, si vous êtes nommé et vous trouvez que vous êtes jeune ou bien vous êtes vieux, soyez conscient que vous devez être compétent. Même si vous n'êtes pas compétent, faites tout pour manifester cette compétence à travers une formation spécialisé ou quoi, puisque on ne peut pas faillir dans le domaine public. Dans le domaine privé, vous pouvez te permettre le luxe de faire n'importe comment, mais dans le domaine public, tout est politique, puisque l'eau, c'est politique.
La route, c'est politique. Hein, l'électricité, c'est politique. Donc, celui qui est le chef politique ne peut pas accepter au nom de l'État que celui qui est nommé se comporte n'importe comment. Et nous, qui sommes tous dans le domaine public, on doit accepter, on doit être humble et honnête d'accepter que, à tout moment, si le chef estime que nous ne sommes pas compétents, je voulais utiliser le mot de M. Temba, mais il est dans son rôle régalien et politique, et même managérial, puisqu'il est aussi manager. Très bien. De nous, de prendre une décision. Ce n'est pas comme si il est, vous êtes mauvais ou bien il n'était plus. Non, c'est qu'au nom de l'État, ils doivent agir ou réagir. Et il a, et il a fait. Je voudrais que nous puissions encore coller à moi, M. Atteba, sur ce conflit qui devient de plus en plus important entre guillemets au Cameroun, le conflit entre vieux et jeunes. M. Atteba, qu'est-ce qui est important? C'est la compétence ou alors un conflit des générations? Non, en réalité, moi je pense pas qu'il y ait un conflit de génération, c'est-à-dire il y a une instrumentalisation qui est faite de ce phénomène-là. Les gens veulent les résultats, les gens veulent qu'on apporte des solutions à leurs problèmes, quelle que soit la personne qui peut le faire, tant qu'elle a les capacités de le faire, qu'elle le fasse, c'est tout ce que les gens demandent, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. C'est vrai qu'il faut promouvoir les jeunes parce qu'ils doivent assurer la relève. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'ils soient là. C'est-à-dire que les aînés qui sont en, doivent préparer la relève. C'est pour ça qu'ils doivent toujours injecter la jeunesse au fur et à mesure, les avoir à côté d'eux pour qu'ils puissent assurer la relève après. Donc, c'est je 10 secondes, en termes de représentativité, donc, plus de 70% oui, de je voudrais la quand même, je voudrais quand même revenir, oui, je voudrais quand même revenir, si elle a dit quelque chose là par rapport à, aux politiques publiques, aux politiques de l'eau, l'électricité, je voudrais dire que c'est les sociétés, c'est pas elles qui implémentent la vision, la politique globale de que soit l'électricité ou de l'eau, c'est un c'est une politique publique, c'est une politique de l'État. Et vous avez constaté que les conséquences, c'est l'absence de l'application de la décentralisation a un impact. Parce que voyez-vous, l'eau, on peut créer des petites unités de production de l'eau au niveau décentralisé, que ça résolverait le problème. Je crois qu'il y, y a un village, il y a, je crois que c'est un département dans le, au nord-ouest, à Kumbo. On m'expliquait que là-bas, ils ont eu depuis des années, depuis longtemps, qu'il leur avait été fourni par... Bernard Follon. Voilà, Bernard Follon. Donc, ils n'ont jamais utilisé, c'est peut-être maintenant qu'ils peuvent avoir des problèmes, ils n'ont jamais utilisé l'eau de la SNEC. Donc, pour dire que, dans le cas de la décentralisation, on pouvait créer des unités de production d'eau au niveau local, dont la SNEC n'a même pas besoin d'arriver dans les villages. La SNEC aurait même pu, enfin, je vais dire, la Camouette, c'est pas quoi, pouvait être une structure de contrôle de la conformité et de la régularité, mais décentraliser pour qu'on ait c'est cette concentration de pouvoir, c'est cette, cette volonté de tout contrôler qui amène toutes ces difficultés. Donc il faut une politique globale, il faut la penser et l'implémenter. Ça permettra justement de désengorger, de décharger même. Vous imaginez une seule société qui doit fournir l'eau partout, mais ce n'est pas possible. Merci. Hein. Pas possible. Renaud et Boto, il faut également souligner, nous autres, nous avons le regard du journaliste. Au-delà de ce regard du journaliste, il y a quand même le regard de l'administration. La passation de service s'est faite sans le directeur général, hein, l'ancien directeur général Obolenga, qui aurait donc boycotté cette passation de service. Comment vous interprétez ce geste-là dans l'administration? Non, mais ça peut se comprendre que le sortant n'était peut-être pas content. Vous voyez, quand... Parce qu'on n'est pas content, on n'assiste pas à la passation de service. Quand on annonce dans la presse qu'on va arrêter juste après son débattement, vous voulez qu'il reste, qu'il vienne à la passation de service. Comme il faut quand même pas fouetter un enfant et l'empêcher de pleurer. Moi, je voulais juste dire que avant 1967, date de la création de la CAM, de la SNEC, c'est comme ça que ça se passait justement. Ça veut dire que dans les petites villes, il y avait des petites unités. Justement parce qu'il y a eu un désordre. Donc, en 1972, donc, on met donc effectivement en service donc, cette SNEC-là qui était dépendante de la SONEL. Donc, justement, il y a eu un petit désordre. Mais moi, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il faudrait que, justement, dans le cadre de la décentralisation, que les maires comprennent que c'est de leur tâche de donner de l'eau aux populations. C'est-à-dire, en dehors maintenant de la Camouette qui va
avoir cette mission-là régalienne. Et je dois le souligner, l'État du Cameroun a signé en 2020 un contrat avec une société indienne pour pouvoir mettre sur pied des stations de pompage d'eau. Vous voyez, non seulement les mettre sur pied, mais également les entretenir. Ça fait donc que, selon les estimations, en 2022, l'année où nous sommes, en 2022, on devrait pouvoir desservir 20 villes du Cameroun à environ 700 000 mètres cubes d'eau par jour, avec une capacité de stockage de 250 000 mètres cubes d'eau. Donc, en la vérité, c'est parce que peut-être ce plan de l'État était déjà en cours, qu'on a voulu assainir la maison Kamwata, justement, pour que le nouvel arrivant vienne trouver quand même, vienne parfaire, justement, ce projet de l'État qui est déjà en cours. Vous savez que, à Komniada, on est déjà en train de commencer à rénover, parce qu'à Komniada date de 42 ans quand même. C'est une vieille station de pompage d'eau. Donc, il y en a d'autres qui sont en cours de création. Je vous dois rappeler que le budget de la Kamwata l'année dernière était de 88 milliards. C'est pas rien. C'est justement parce qu'il y a des travaux qui sont en cours de ce côté pour que l'eau puisse recommencer à couler normalement dans les robinets. Mais je souscris totalement pour chuter à ce que M. Ateba vient de dire. Les maires doivent prendre en considération le fait que dans leur mission, il faut qu'ils se soucient de donner de l'eau potable aux populations parce que justement, une statistique de l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'au Cameroun, 45 personnes sur 100 000 meurent chaque année à cause de l'eau qui n'est pas potable. Quand on multiplie par 300 pour la population, on se rend compte qu'il y a environ 15 000 Camerounais qui meurent chaque année à cause des maladies liées à l'eau. Donc il est important justement que le nouvel arrivant puisse rapidement, avec les mesures mises sur pied par l'État, permettre à ce que nous puissions avoir l'eau potable. Pierre Blériot, il n'y avait qu'autre information. Nous autres, nous le savons, dans nos investigations, ce n'était pas le parfait amour, vous mettez les guillemets à amour, entre le ministre de l'Eau et de l'Énergie et ce directeur général qui a été débarqué. C'est quand même le ministre de l'Eau qui est la tutelle. Alors, est-ce que ça ne met pas également notre conflit sur la table? C'est-à-dire, certains directeurs généraux ont souvent eu l'habitude de rappeler à leur ministre, à leur tutelle, que le décret qui vous nomme, c'est le même qui me nomme aussi. Et donc, certains directeurs généraux pensent qu'ils n'ont pas d'instruction à recevoir de leur tutelle. Probablement que le ministre Ngola avait vécu ça avec certains de ses soutiens. Il nous en dira tout à l'heure. Donc, Gaston Aloude Somba finalement eu la tête de son DG qui était un tout petit peu arrogant. Non, Gaston Elundé Souma n'a pas eu la tête de son DG. Son DG était incompétent. Il n'y avait pas de lui. Ce qu'on attendait de lui, ce n'est pas qu'il soit ami avec le ministre. Qui est son travail. C'est qu'il nous donne de l'eau. Alors, vous voyez, son incompétence, ça fait qu'on pense maintenant que c'est le ministre, son ministre qui a eu sa tête. Voilà, à l'installation, il est absent. Il est absent pourquoi? Le jeune du plateau dit que c'est parce qu'il n'était pas content. On a menacé de l'arrêter. Non, on ne va plus l'arrêter. Si on devait l'arrêter, on ne va pas venir. C'est une autre incongruité. Il est au service de l'État. Il ne s'est pas comporté comme un haut commis de l'État. Non du tout. Il devait venir. Il fait normalement la passation de service. C'est ce qu'on fait. Là, il a montré qu'il est un tout petit homme. En ne venant pas. Non, non. Vous imaginez ça? Il n'a pas de niveau de toutes les façons. Voilà. On va le rattraper. Vous êtes dur, vous êtes très dur. Quelqu'un qui refuse de l'eau comme ça. On va le rattraper. Et il va rendre gorge. On va le rattraper. Il va aller où? Bon, peut-être qu'il était en voyage pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'il était vers la Guinée. Il cherchait à sortir du Cameroun. Il n'est pas encore sorti. Pour l'instant, il est là. Nous avons des informations. Bon, il est là. Il est donc là. Il sera rattrapé. Entre-temps, quand même, il a voulu faire sortir des choses à la dernière minute. Mais les personnes ont été interceptées par les forces de l'ordre, les forces de sécurité. Vous savez ce qui me gêne avec... J'ai utilisé une expression. Le gouvernement parle à négligence et à perpétuité. Il y a des services de sécurité qui sont souvent au courant de tout ça. Beaucoup de nos directeurs généraux et de ministres vole avec une rare voracité. C'est gênant. On ne sait pas pourquoi les gens volent comme ça. Ils volent beaucoup d'argent. On ne sait même pas ce qu'ils vont faire avec tout cet argent. Et puis ils sont maudits. Quand tu empêches aux gens de boire de l'eau. Là, je vais rejoindre un peu M. Ateba. Il parlait des compétences. J'ai eu un dossier dans lequel on dit qu'il a fait une commande.
et on lui a livré le concret de ce qu'il a demandé. Bien évidemment, bon, quand vous n'êtes pas totalement du domaine, on peut vous fouiller de cette manière-là. On commençait à lui tendre des pièges aussi à l'intérieur. Mais c'est parce que le management était mauvais. Le management n'était pas bon. Ce qu'on attend d'un... Je ne sais pas, on va parler. Est-ce que le président de la République, son premier ministre, le SGP, nous voulons garder le Cameroun, même 100 ans. Mettez à la tête des structures des gens qui veulent le bien de ce pays. Si un jeune, un vieux, sur la question jeune-vieux, il faut que les vieux aussi se préparent à partir. Il n'est pas question de s'éterniser. Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour naître, un temps pour mourir. Il ne faut pas attendre que c'est la mort seule qui vienne vous enlever là, comme si on vous arrachait. Non, il y a un temps. La retraite existe, non? La preuve que vous avez été un grand leader, c'est que vous avez formé d'autres personnes capables de faire autant que vous, sinon mieux que vous. C'est ça un bon leader. Et c'est pour cela qu'on va dire non, on ne parle plus de lui. Quand on me dit que tel a rallongé le mandat parce qu'il ne sait pas qui peut continuer sa tâche s'il n'est plus là, j'ai dit, mon Dieu. Mais il est nul comme leader. Un leader forme des gens capables de faire ce qu'il fait et de faire mieux que lui. C'est ça un leader. Si le leader cache des secrets du management ou du leadership, c'est un sorcier. Il se dit que tant que je suis là, ça se passera bien. Si je pars, c'est le chaos. C'est le chaos. Merci beaucoup. Hein. Elvis Angolais, la presse en parle de plus en plus. Cette presse-là, qui de temps en temps a souvent aussi des informations un peu en avance, la presse prédit déjà l'arrestation de l'ancien directeur général de la Cameroun. C'est cela la suite? Les derniers rôles, si la presse en parle, ou bien si c'est ça qui sera. Vous êtes d'accord qu'on puisse l'arrêter? Non, là, ce n'est pas de mon domaine, je ne suis pas compétent. Ça, c'est une affaire judiciaire. Je laisse à la justice son rôle, qui joue son rôle. Je voulais juste dire que, comme je disais tout à l'heure, le service public, c'est un service qui doit vous rendre compétent ou non compétent, jeune ou vieux, ça doit vous rendre humble. Modeste en tout temps et en tout lieu. Si vous, comme vous venez de dire tout à l'heure, qu'il n'était pas là pour la passation de service ou bien il avait des problèmes avec son tutelle, ça c'est les mauvaises habitudes. Si vous êtes jeune ou vieux, il faut bien comprendre que quand vous êtes nommé avec les salaires, c'est-à-dire les avantages qu'ils ont aux alentours, pour certaines personnes, ça les rend un peu. Il devient ou perd la tête. Surtout un directeur général par rapport à un ministre. Il ne vous apprend rien. Vous connaissez ça. Le directeur général, c'est parfois 15 façons. Je ne vais pas dire que c'est ça de mon domaine. Je peux vous dire ceci. Quelle que soit votre compétence ou bien quelle que soit votre génération, vous devez comprendre que le service public est différent du service privé. Dans le service public, vous êtes un serviteur. Même si vous êtes nommé directeur, super-directeur général ou ministre ou quoi, vous êtes un serviteur du public. Ça doit vous montrer que vous devez être en tout temps, en tout lieu, respectueux de tout le monde, y compris votre tutelle. Et vous devez respecter tout le monde, même votre chauffeur, votre secrétaire, il faut le respecter. Et que là où vous êtes nommé, bien sûr avec le salaire, je ne veux pas parler de salaire, vous êtes bien sûr nommé, mais vous êtes un serviteur d'abord, avant d'être tout autre chose. Si vous oubliez ça parce que vous avez perdu la tête, vous allez faire manifester le comportement dont on vient de dire là. Au moment de passation, vous n'êtes pas là. Mais ça, dans le service public, ce n'est pas dans la déontologie. Vous devez être présent. Vous devez être respectueux. Oui, c'est dans le domaine public. Mais dans le domaine privé, vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi. Puisque dans le service public, vous êtes toujours serviteur. Dans le domaine privé, si on m'enlève, je ne viens pas. Ah, bien sûr, parce que c'est privé. Mais dans le public, là, surtout un jeune. Il faut bien comprendre que vous avez un exemple pour les autres jeunes. Très bien. Vous devez être respectueuse, modeste, humble et toujours disponible à rendre service, quelles que soient les conditions. Puisque c'est une exemplarité. Nous devons développer la mentalité d'exemplarité, que nous sommes toujours un bon exemple. Au lieu d'être, comment est-ce qu'on peut dire que au moment où l'État
l'État est en train de faire une passation de service, vous n'êtes pas là. On va dire, sauf que vous êtes malade. On peut tomber malade ou bien vous êtes en déplacement. Non, vous n'étiez pas malade. Ah, mais vous devez être là, la déontologie. Et qu'il faut toujours être là. Pour montrer votre respect, votre reconnaissance. Sinon, on va dire toutes choses de vous. Et à ce moment-là, c'est vous qui... Mais pour l'aspect de l'arrestation, ça c'est la justice. Je n'ai rien à faire avec. Je ne connais rien de ça. D'accord. Que vous n'êtes pas juge. Vous n'êtes pas là de demander qu'on arrête tel et qu'on relaxe tel. Oui. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire pour le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous autres Camerounais, nous avons besoin de l'eau, quelle que soit la couleur du chat. Mais s'il peut attraper la souris, c'est ça qui est important. À tout de suite pour la suite. La vue permet d'observer un environnement et en distinguer les détails. L'homme peut voir grâce à l'œil, qui est l'organe de la vue. Avoir une bonne vue est, entre autres, dépendant de la santé de l'œil. Et donc, si l'œil ne se porte pas bien, il n'aidera pas à admirer les merveilles de la vie. Aussi, les produits Calive africaine vous redonnent goût à la vue et donc à la vie. Si jamais vous êtes victime de l'une de ces pathologies, notamment la cataracte, la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie, la presbytie, le glaucome, le nystagmus, l'occlusion veineuse rétinienne, voire la cécité. Ces produits ont la vocation de donner la vitalité au faisceau sanguin qui alimente votre système oculaire, renforce, si besoin est, l'acuité visuelle. Sans contexte donc, quoi que vous ayez tout essayé, les produits oculaires de Calive africaine se présentent comme la solution indéniable pour une bonne santé de la vue. Calive africaine est située à Yaoundé, au quartier Fulane, face entrée lycée. Allez-y et retrouvez du goût à la vie. Produits Calive africaine, la vue, c'est la vie. Après ma réussite au baccalauréat, j'ai rêvé d'étudier dans une université qui favorise mon épanouissement. Pour moi, mon objectif était clair. Rejoindre une école supérieure qui se distingue par la qualité de la formation et qui me permet d'acquérir une expérience dans le pays développé sur le marché du travail. À l'Institut supérieur Kalata International, j'ai trouvé à la fois l'épanouissement, mais aussi une famille, avec des enseignants qui jouent un rôle central dans mon développement. Ils me coachent de façon personnalisée et feront un suivi méticuleux de mon insertion socio-professionnelle après l'obtention de mon BTS, HND, licence et master professionnel. Ici, je bénéficie d'une infrastructure de qualité dans mon apprentissage, d'un programme qui me permet de compléter mon expérience à l'étranger et avoir une expérience professionnelle qui me rendra plus compétitive et mettra mes compétences à jour par rapport aux nouveaux outils modernes. Besoin de tergiverser pour le projet académique de votre enfant. L'Institut supérieur La Perle, la solution idoine dont les formations en BTS, HND, licence professionnelle et master répondent aux besoins du marché de l'emploi. L'Institut supérieur La Perle offre des formations dans un cadre agréable, loin du tumulte, que ce soit au campus de Bassayassa, Calantène annexe, de Aqua en face centre des impôts. Ainsi, l'expérience acquise dans le domaine de l'éducation et la formation des jeunes n'est plus à démontrer de par des filières professionnelles à disposition telles que industrie et technologie, technologie de l'information et de la communication, gestion, droit, tourisme et hôtellerie, sciences et bien d'autres. Tout ceci sous la tutelle académique de l'Université de Douala et en partenariat avec Neoma Business School, le programme Erasmus Excella La Rochelle. Les inscriptions et réinscriptions sont ouvertes de lundi à samedi, si au campus Aqua, face centre des impôts, et au campus de Bassa, situé à 60 mètres du carrefour Tradex. Contact 658 09 34 70. L'Institut supérieur La Perle. Une formation, un métier.
Bienvenue chez Kalex Optique. Kalex Optique, c'est votre cabinet d'optique médicale qui vous propose des montures de qualité pour enfants, adolescents et adultes. Chez Kalex Optique, on vous offre des services de consultation et refraction, de montage et réparation, ainsi que d'entretien. Tout ceci avec l'expertise des professionnels et ophtalmologues qualifiés et expérimentés. Pour tout type de verre, des lunettes au verre Blue Protect, des lunettes anti-phare et bien d'autres. Kalex Optique, c'est uniquement des marques de référence, dotées d'un accueil chaleureux, d'un personnel rompu à la tâche, d'un espace sain et confortable, d'un matériel médical, de haute technologie. Kalex Optique est situé à Yaoundé, à l'école de police, à côté de UBA. Kalex Optique répond au numéro de téléphone. Plus 237 696 15 04 29 ou le 6 57 44 38 45. Adresse mail kalexoptique@yahoo.fr. Kalex Optique. Et si vous nous laissez sublimer votre regard. Le suspense renaît. Larmes de joie et de déception sont de retour. Des hymnes mythiques pour nous faire vibrer. Des événements mémorables pour nous marquer à jamais. Première Ligue, Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga et Ligue des Champions. Toutes les grandes rencontres, toutes les stars, toutes les plus belles compétitions sont à vivre en exclusivité sur les chaînes Canal Plus Sport. Et jusqu'au 15 septembre, le décodeur HD est à 5000 francs au lieu de 10 000 à partir de la formule Access. Retour sur le plateau de Libre Expression tous les dimanches 11h30 et 13h30 sur Info TV. Le deuxième arrêt de ce dimanche nous amène à parler du grand dialogue national et qui avait été organisé au Cameroun entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019. Renaud et Boutou, les objectifs de ce grand dialogue national étaient véritablement trouvés et officiels. Il était question de amener la paix du côté du nord-ouest et du sud-ouest pendant 5 jours. Ils étaient donc en politique, ils étaient acteurs de la société civile, ils étaient justement membres du gouvernement présidé par le premier ministre chef du gouvernement à l'initiative du président de la République, son excellence Paul Biya. 3 ans plus tard, quel est le regard que vous posez sur le grand dialogue national? Bien, moi, en entrant dans ce studio, j'ai lu les travaux de Sidonie Noël-Bella, avocate au barreau du Luxembourg. Elle a travaillé sur Dialogue national au Cameroun, limites et perspectives d'une sortie de crise. Alors, elle estime que durant le grand dialogue national, il y a eu 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas discuté de la forme de l'État. Et le deuxième problème, c'est ce qu'elle considère comme étant la stratégie bipolaire de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que pour elle, l'État du Cameroun, au même moment qu'il prétend mettre sur pied des politiques publiques pour résoudre le problème, au même moment, elle pose des actions militaires. Donc, moi, en ce qui concerne cette question, je dirais que 3 ans plus tard quand même, le climat social est plus apaisé que par le passé. Parce qu'il faut qu'on essaye de revenir dans le contexte. Alors, nous sommes entre le 30 septembre et le 4 octobre, date de ce du grand dialogue national. Nous avons une crise post-électorale sous les bras, avec un parti politique qui arrivait deuxième à l'élection présidentielle, qui est très virulent, qui veut marcher, parce que nous savons que en décembre doit arriver les élections régionales. Donc le parti monte au créneau. Nous avons les médias, notamment pro-opposition, qui sont très virulents, incendiaires vis-à-vis de l'État. Nous avons la société civile et les organisations internationales qui pondent des rapports tous les jours contre l'État du Cameroun. Ça fait que même dans la rue, on ressentait une tension qui était palpable. Vous voyez, nous avons à cette période-là
là, le président Macron qui s'exprime et qui demande au président de la République de pacifier en sélectionnant de nouveaux acteurs, etc. Il dit d'ailleurs qu'il va mettre la pression au chef de l'État. Exactement. Donc, la situation était hyper tendue. Au même moment, dans le Nozo, c'était des massacres, c'était des crimes crapuleux, c'était des incendies d'écoles, d'hôpitaux, etc. Donc, je crois que 3 ans plus tard, la situation est un peu plus apaisée. Donc, il y a eu un changement. Il y a quand même... on ne peut pas, de cause à effet, dire que c'est du fait, de manière directe, du Grand Dialogue National. Mais on constate quand même que 3 ans plus tard, la situation, le climat social est plus apaisé. Très bien. Merci beaucoup. Hein. Pierre Blurion-Yemek, selon Renaud et Boto, 3 ans plus tard, la situation sociale est plus apaisée du côté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 3 ans plus tard, à votre avis, beaucoup de choses ont changé de manière significative. Où est le statut spécial? Le statut spécial est là. Les résolutions du Grand Dialogue. 3 ans. Non, si vous avez la chance d'avoir l'éternité de votre côté, 3 ans, ça représente une minute pour vous. Mais dans un gouvernement, dans une politique publique, 3 ans, c'est beaucoup. Aux États-Unis, tout un mandat présidentiel, c'est seulement 4 ans. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre 3 ans à commencer à implémenter. Ça, c'est la politique de l'esquive. On a fait un dialogue, s'il faut admettre que c'en était un. Et on a l'impression que c'était pour gagner du temps. Mais on gagne le temps en faisant quoi? On dialoguait, on recherchait quoi? On recherchait la paix. On a montré, même si le dialogue n'était pas inclusif, même si le dialogue n'était pas sincère, on a quand même dialogué. Mais aujourd'hui, 3 ans plus tard, on n'a rien implémenté. Vous ne savez pas que même ceux qui soutiennent le président Paul Biya, des fois, ils se disent que le type, si... Oh, tu nous donnes du travail. Ils se disent, tu nous donnes du travail. Parce que voilà, on t'a même proposé les choses après le dialogue, là. Même les choses, là, on ne sait même plus quoi dire aux gens de l'opposition. Ils sont dépassés, des fois. Ils ne peuvent pas seulement parler, mais ils sont dépassés. Parce que le président a trop de temps. Lui, il prend tout son temps. Ce qu'on appelait le quoi spécial, le statut spécial pour les zones, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, devait être implémenté immédiatement pour qu'on dise que ce sont les anglophones qui dérangent. C'est-à-dire qu'on voit la bonne foi de ceux qui ont dialogué et qu'on nous démontre la mauvaise foi de ceux d'en face. Mais eux-mêmes souffrent parce que quand ils arrivent, on leur dit bon. Supposons même nous qui sommes allés au dialogue. Vous voyez comment vous nous mettez en difficulté? Parce que nous devons mentir tout le temps. Après 3 ans, nous devons continuer de dire les mêmes choses, la même rengaine qui nous rend plus sourds, plus muets, plus aveugles que nous l'étions auparavant. Ce n'est pas bien. Il faut agir. Quand il y a des questions sociales, il ne faut pas utiliser la technique de l'esquive. La question anglophone doit être résolue. Il faut... Ceux qui ont commencé à dire au début, non, il n'y a pas, ils ont, comme ils parlent bien français, le problème, quand c'est pas la situation, ils ont joué avec les mots. Les mots sont finis. Il n'y a pas un problème anglophone. Il y a une situation, ils ont fait tout ça. Après les blagues, il faut résoudre. C'est pas parce que vous êtes à Yaoundé, à Ebolov, à Mbalmayo, à Boumyebel, les gens meurent. Voilà, il faut résoudre ce problème. Le problème a été agressé pendant un dialogue que vous avez appelé grand. Je ne sais pas en quoi il était grand. Vous avez dit national. Je ne sais pas en quoi. Mais vous avez quand même eu une réunion. Et votre réunion était tellement... Mais il était grand. Il y avait toutes les composantes de la société. Non, non, il était national parce que toutes les régions étaient représentées. Mais où est le problème? Je vais vous rappeler qu'au Congo Brazza, il y a eu une conférence nationale qui avait duré 101 jours. C'était pour fabriquer la bombe atomique. Non. Et je vais vous faire une confidence. Cette conférence qui a duré 101 jours au Congo et qui a réuni près de 200 000 personnes a eu moins de dépenses que le Grand Dialogue National du Cameroun qui a duré 4 jours. 4 ou 5 jours. 5 jours. Oui. Vous voyez. Ce qui a coulé le plus au Congo à l'époque, c'était la salive. Les gens voulaient parler.
Les gens ont effectivement dit à tout le monde. Les gens ont parlé. Mmh. Ici, on a réuni les gens et nous, on ne leur a même pas donné le temps de parler. Mmh. Dans une salle où il faisait chaud. Donc, pour faire un dialogue national au palais des congrès, ce n'est pas possible. Les gens étaient comprimés. Ils voulaient plutôt aller signer leur affaire et rentrer. Merci. Ils n'ont pas travaillé sérieusement. On voulait causer. Un jour, on va causer. Hein. De toutes les façons, ce pays-ci. Un jour, on va causer. Merci beaucoup. Avant de savoir, hein, avant de nous poser la question que Blérieux se pose, si nous avons réellement causé en d'autres termes, si le dialogue a été franc et sincère, moi je voudrais quand même d'abord passer la parole au professeur Elvis Ngolengola. Alors professeur, 3 années se sont écoulées. Avez-vous l'impression que les recommandations qui avaient été prises lors de ce grand dialogue national ont été implémentées sur le terrain? Je pense que, comme M. Ebouto disait tout à l'heure, il y a eu un changement, puisque d'abord le climat est plus apaisé. Mais je voulais dire en disant que j'étais participant au grand dialogue national, et non pas un participant. Vous êtes vice-président de l'une des 8 commissions, la commission sur le retour des réfugiés et des personnes déplacées, et même plus, on ne va pas continuer. Mais en tant que participant, ce que je peux vous dire, c'est que pendant les 5 jours, on a vu que M. Nyamek disait tout à l'heure des problèmes de sincérité, d'inclusivité. Ce que je peux dire, c'est que les 7-5 participants qui étaient là, j'ai vu qu'il y avait la sincérité. Les gens sont venus, d'ailleurs, plus de 60% venaient de nord-ouest et de sud-ouest, sur les 700 participants, en salle. Et tout le monde est venu avec la détermination de parler et de dire tout. Dans la sincérité, ils n'étaient pas là pour blaguer. Mais je pense que il fallait tenir compte du fait que le grand dialogue national était une initiative du chef de l'État. Et donc, en tant qu'initiative du chef de l'État, c'était clair que ce qu'il voulait, comme vous venez de dire dans votre introduction, c'était pour revenir, pour que la paix revienne, c'est-à-dire à travers les idées de solutions qu'on va discuter pendant les 5 jours. Et il a laissé aux participants de s'exprimer librement et d'apporter des idées qui peuvent être constituées en transformées en solutions ou en propositions, ou ce qu'on a finalement retenu, c'était le mot recommandation. Et pendant les 5 jours, les gens ont beaucoup parlé. J'ai vu que, et comme vous venez de dire tout à l'heure, il y avait des personnes de toutes sortes. C'était pas, malgré ce que j'entends de certaines personnes, c'était pas un monologue. C'était un vrai dialogue, puisque le dialogue a été franc. Les gens sont venus, certains même sont venus en croyant qu'on peut même faire, on peut même curler, on peut même faire si on faut, c'est-à-dire oser le ton. C'était tout à fait normal que les gens sont venus, tout le monde est venu pour s'exprimer. Bien sûr, on ne peut pas dire ça pour tous les 700 participants, mais je crois que j'ai apprécié le fait que j'ai vu des religieux. J'ai vu... Il y avait le cardinal Christophe à son âme. Et les chefs de tous les autres... partis politiques. Non, pas partis politiques seulement, mais les églises. Hein, catholiques, presbytériens, baptistes, et même les églises rêvées, leurs chefs, modérateurs, tous, ils étaient tous là. Je ne pense pas qu'ils venaient là-bas pour blaguer. Ils venaient parce que aussi ils avaient quelque chose à apporter pour trouver une solution à ce problème, conformément à la pensée du chef de l'État. Je crois que nous voulons la paix dans ces deux régions. Ça, c'est clair. Et personne ne peut blaguer. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme M. Boutou disait tout à l'heure, depuis 3 ans que nous avons eu ce grand dialogue national, on constate que sur le terrain, dans le nord-ouest et le sud-ouest, j'étais là il y a une dizaine de jours, j'étais chez moi à Tombel. Et de temps en temps, on est à Boyabé, à Limbé, où on voit que
Vous allez circuler sans escorte de l'arrière. Il y a encore le service de sécurité et de défense. On ne peut pas nier. Et que vous étiez seul dans votre véhicule. Non. Ce n'est pas comme si vous êtes entouré de seconde par seconde. Non, mais il y en a, puisque c'est normal. J'ai toujours dit, M. Boutou disait tout à l'heure, un article créé par quelqu'un en Europe. Vous savez, un État, en tout temps, en tout lieu, quelles que soient les initiatives politiques qu'on prend, la présence des forces de sécurité et de défense est toujours quelque part. C'est omniprésent. Vous avez cité. Donc, le fait qu'il y a les forces de sécurité ici et là ne veut pas dire que l'approche politique ou bien est moins. Non. Les deux parts, c'est de pair. Et puisque on ne peut jamais penser qu'en 24 heures, il y aura une absence de forces de sécurité et de défense. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que, oui, il y a un changement, il y a un climat qui est plus apaisé. On voit ça. Et on peut regarder, les populations commencent à revenir. Les écoles reprennent. L'activité économique dans certains lieux, par exemple, la CDC a repris. Les cultivateurs, parlent dans le champ, on voit ça, de temps en temps, on voit que les choses, il y a un changement, donc cet apaisement, on voit, mais voici le problème. Le problème, c'est que là où il y a encore des points de chauffement, bien des discords, c'est que il y a trois problèmes principaux qui entourent le grand dialogue national. C'est que, premièrement, on voit que il y a des forces ou bien des acteurs qui sont là, qui ont des agendas comme si, au-delà même du fait qu'on veut la paix dans les deux régions. C'est-à-dire qu'ils ont un agenda politique qui fait de telle sorte que pour eux, la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, eux, ils considèrent comme ils ont pris en otage cet agenda de paix. Et ils voient plutôt un agenda politique, puisque pour eux, ils visent beaucoup plus le régime. Il faut que le régime change. Et pour eux, le changement de régime est lié au problème de nos eaux. Et ils font comme si, pour que la solution soit trouvée, il faut aussi qu'il y ait leur agenda politique soit satisfait. Donc, il y a des forces, moi je considère ça comme des forces négatives. Les gens que, au lieu de chercher des solutions à un problème donné, ils ont d'autres idées là, qui sont plutôt politiques, qui sont en dehors même de ce qui se passe dans le nord et le sud-ouest. Deuxième problème que je vois là-bas, c'est que parmi nous-mêmes, je suis de la région du sud-ouest, mais nous-mêmes, dans les deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest, entre nous-mêmes, les élites et les populations, qu'est-ce qu'on voit? On voit que certaines personnes ont un agenda caché, certaines personnes manifestent une mauvaise foi, certaines personnes jouent un double jeu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'entre nous-mêmes, puisque moi-même je suis là-dedans, on voit qu'il y a une culture maintenant de faire la fausseté, c'est-à-dire on nous le faux, c'est-à-dire de fake news. On fausse tout. Les fausses informations. On nie tout. Et au lieu d'être de mauvaise foi, d'être ouvert, puisque entre nous, là, vraiment, certaines choses qui se disent sont un peu, pour moi, choquantes. Merci. Donc, troisième chose qui se passe, c'est que au sein de combattants eux-mêmes, c'est-à-dire les sécessionnistes eux-mêmes, qui cherchent la sécession, qu'est-ce qu'on voit? Ils ont divisé. Donc on ne peut pas savoir, en fait, qui vaut quoi? Qui est qui? Ça devient comme si chaque village, chaque tribu, chaque, je ne vois pas, chaque département même, chaque arrondissement a son groupe à lui. Et ce qui fait qu'il y a tellement de confusion au sein de groupes sécessionnistes que
On ne sait exactement pas. Si vous croyez que vous pensez comme ça avec tel ou tel groupe, mais d'autres groupes, même sécessionnistes, ils sont contre vous. Donc vous ne savez pas avec qui vous êtes. Donc voici les trois problèmes qui minent. Et donc, ce qui fait que le grand dialogue avait deux significations. Première signification, c'est que parce que le chef de l'État croit au dialogue, il nous a mis tous au travail. Pour qu'on croit qu'à travers le dialogue, on peut résoudre les problèmes. Deuxième problème autour du grand dialogue national, c'est que, pas le problème, c'est-à-dire signification, c'est que le grand dialogue national a donné l'espoir. L'espoir qu'une solution, la paix, va revenir. Donc c'est une bonne chose qu'on soit toujours positif, qu'il y a l'espoir, on va trouver des solutions. Mais pour trouver cette solution, il faut qu'entre nous-mêmes, nous soyons sincères, nous soyons de bonne foi. On y reviendra. Et il faut que les autres aussi soient un peu plus unis. Et il faut que ceux-là qui ont des forces négatives, qu'ils essaient d'être un peu plus ouverts et un peu plus francs avec tout le monde. C'est compris. Monsieur Atteba du MRC, lors de ce grand dialogue national au Cameroun, l'on a vu, c'était d'ailleurs la journée d'ouverture, certains jeunes qui avaient été présentés à la face du monde comme étant des anciens Amazoniens qui ont accepté d'époser des armes pour revenir entre guillemets à la civilisation. Certains ont également eu à mener des enquêtes. Ils vous ont fait comprendre qu'ils n'étaient rien d'autre que des petits comédiens qui avaient été montés pour essayer de manipuler l'opinion. Vous savez, parfait. Je crois que la dernière fois qu'on était ici, on parlait du même problème. Mmh. Et pour moi, ça devient vraiment très embêtant quand on parle chaque jour de ce problème. Puisque le problème, apparemment, n'est pas encore résolu. Effectivement, sans qu'on ait véritablement la solution. Vous savez, je crois qu'il y a quelqu'un qui a été élu, qui dit qu'il a été élu, qui a prêté serment. Oui, il a été élu. Qui a prêté serment. Il a été élu, il a prêté serment. Il a prêté serment en disant qu'il devait assurer la sécurité des Camerounais. Tout à fait. Des populations, la sécurité des hommes et des biens et le territoire camerounais. C'est sa mission. C'est lui qui a pris cet engagement vis-à-vis du peuple. Je crois que c'est une personne à qui on doit demander les comptes. C'est bien M. Paul Biya. Malheureusement, nous constatons que depuis que cette crise existe, M. Paul Biya est absent de cette crise. Il est totalement absent. Vous parlez de grand dialogue. Vous parlez de grand dialogue, un dialogue auquel il n'a pas assisté lui-même, auquel il n'a fait aucune suggestion. Il n'a jamais dit au Cameroun. Il a donné les hautes instructions. Non, attendez, on parle du dialogue, on parle des résolutions. Les résolutions ne sont pas les hautes instructions, c'est les résolutions sorties du supposé dialogue. Jusqu'à ce jour, M. Poulou ne s'est jamais exprimé sur la question pour vous dire, à titre personnel, en tant que président de la République, quelles sont les propositions qu'il apporte. Récemment encore, pendant le sommet des Nations Unies, nous avons entendu son représentant, qui est dire que la situation allait s'améliorant. Nous l'entendons tous les jours, depuis pratiquement 3 ans, chaque jour, on dit que la situation s'améliore. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure des enfants qu'on a présentés au palais congrès comme étant les anciens combattants. Comme anciens combattants, c'est la même chose comme les représentants de Transparency International. Donc, ce système est habitué du fait. Vous voyez, c'est-à-dire, les gens ont choisi de tromper leur propre peuple à chaque fois. Ils n'ont jamais été sérieux. Donc, vraiment, je dis, ce qui se passe dans ces régions-là, le professeur disait tout à l'heure, il parlait des forces négatives, c'est-à-dire qu'il souhaiterait que. Mais attendez, soyons, nous sommes en politique. Ouais. Moi, je veux que le régime RDPC tombe, qu'il y a tombe. Je ne le cache pas. Ah bon? Oui, mais c'est pour ça qu'il est opposant, non? Mais je ne le cache pas. Mais si c'est parce qu'il a été incapable de résoudre le problème anglophone, qu'il m'a tombé, qu'il tombe, moi, je vais venir le résoudre. C'est, ça, c'est clair comme ça. Ce n'est pas, on n'est pas en train de faire, nous sommes en politique. Je dis, s'il a échoué, si les Camerounais ne sont pas contents de lui par rapport au mandat qu'on lui a confié, mais il faut bien qu'on ait des éléments qui démontrent qu'il a échoué. Et c'est sur la base de ces éléments que nous, on va apporter des solutions. Donc, il n'y a pas de. Je ne sais pas, il n'y a pas de. Donc, et là, heureusement qu'il a rajouté qu'en interne,
entre eux-mêmes, ils ne se comprennent pas. Et je crois plutôt que le problème se trouve, le vrai problème, c'est en interne. Le vrai problème, c'est parce que les forces exogènes, les forces de pression, nous avons quelle influence, nous avons quel moyen. On ne peut que souhaiter que le régime tombe. Mais les acteurs, ceux qui ont les manettes, ceux qui actionnent, ceux qui sont sur le terrain, c'est le pouvoir, c'est les gens du RDPC, c'est le pouvoir, c'est les ministres à Tanganji, c'est les... Mais c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui contrôlent la situation. Donc nous, on ne peut que spéculer, on ne peut que observer, regarder, dire que voilà les gens, vous avez échoué, nous on veut résoudre ce problème. C'est tout à fait normal. Donc le vrai problème, c'est eux. Le vrai problème, c'est eux qui ont des agendas. On ne sait pas à quelle fin, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils recherchent. Malheureusement, c'est le pauvre peuple qui paye le prix. Parce qu'on utilise le peuple pour des agendas cachés. Très bien. Merci, Anne. Renaud et Boutou, revenons un tout petit peu au dialogue. Hein. On a suivi Blériot parler tout à l'heure. Il était extrêmement dubitatif quant à ce mot dialogue. De manière claire, y a-t-il eu un dialogue franc et sincère entre du 30 septembre au 4 octobre 2019 du côté du palais de congrès de Yaoundé, ou alors ce n'était qu'une bonne mise en scène? Non, il y a eu dialogue. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu dialogue, parce qu'on a eu le troisième à l'élection présidentielle, pour ne pas le nommer, Cabral-Déby, qui, devant les caméras, était tout ému, a dit sa participation au grand dialogue national. Beaucoup ont estimé qu'il était dans son bon rôle, hein, qu'il avait été... Peu importe le rôle qu'il a joué, nous, on sait que Cabral-Déby est un homme politique de l'opposition. Qui a fait un bon score à la présidentielle, est sorti troisième. Vous avez peut-être trouvé des opposants qui sont amis avec le système. Bon, c'est peut-être au professeur de le dire. Il est du comité central. Donc, est-ce que le professeur Kamto, vous avez également recueilli son avis là-bas au Palais de Congrès? Vous l'avez d'abord invité? Bon, je n'étais pas au grand dialogue national. Vous organisez un grand dialogue alors qu'il y a certains acteurs qui, entre guillemets, qui sont en prison. Est-ce que le dialogue sera franc? Non, mais... Monsieur le professeur Kamto était donc incarcéré. Est-ce que vous avez recueilli son avis du côté de la prison centrale de Kondangi? Le reproche que l'on peut faire au gouvernement lors de pendant l'organisation de ce grand dialogue national, c'est que on n'a pas pu débattre comme en 2014, parce que les travaux que moi j'ai effectués sur la question anglophone, c'était en 2014. Et à l'époque, on disait au gouvernement que, attention, vous n'avez pas ouvert les débats lors du 51 de l'unification du Cameroun à Boya sur la forme de l'État. Il fallait qu'on ouvre le débat là-dessus. Donc, et ça s'est répété. Pour ouvrir le débat, il faut peut-être qu'on change d'avoir la constitution. Non, il faut ouvrir le débat, c'est permettre aux gens de s'exprimer sur la question. Pas forcément pour que ça ait un aboutissement. Mais au moins, il faudrait que les gens aient le sentiment que leur avis compte sur cette question. Vous savez que lorsque vous fermez le débat sur la forme de l'État, vous allez radicaliser ceux des anglophones qui, au moins, étaient pour le fédéralisme. Parce que vous savez qu'il y a deux types d'anglophones. Il y a les anglophones qui sont pour le fédéralisme, les plus modérés. Il y a les plus radicaux, eux, veulent carrément la sécession. Mais il y a d'autres qui sont pour la confédération. Ceux voilà, qui sont également pour la confédération. Donc, en ouvrant le débat sur la forme de l'État, on aurait au moins pu maintenir les modérés sur place. Voyez. Donc, moi, c'est le reproche que je peux faire à ce grand dialogue national-là. Mais sinon que... Des rapports et des comptes rendus faits par les leaders d'opposition, les membres de la société civile, il y a effectivement eu échange. Le professeur Golem vient de le dire, il y a eu échange, il y a eu débat. Maintenant, est-ce qu'il était franc? Bon, on ne peut pas sonder les cœurs et les reins, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc voilà. Très bien. Là, vous avez cette question sur la forme de l'État. On a c'est dans la bouche de certaines personnes qui sont, non, c'est pas tabou, mais c'est dans la bouche des personnes. C'est depuis les années 90, je crois que M. Ateba ne peut pas me contredire, puisque même dans les années 90, lors de la conférence tripartite, c'était la prison. C'est pour cela qu'une troisième commission constitutionnelle a été créée, parce que le problème de la forme de l'État était tellement fort que on était obligé d'ajouter
en créant une troisième commission, la commission constitutionnelle. Donc, et depuis les années 90, ce problème continue à se poser. Mais lors du grand dialogue national, donc, il y a des délégués qui sont venus juste pour ça. Pour que ce soit ainsi. Et je crois que là, la commission a été posée sur la table. Ça a été posé. Le problème a été posé. Oui. Je crois qu'il a été. On a fait un semblant, de résolution en adoptant la décentralisation. La décentralisation, qui, malheureusement, n'a pas été appliquée. Non, c'est donc avoir été juste du saupoudrage. Ça veut dire que c'est un problème tabou, comme il dit. Le mot tabou, pour moi, c'est un peu. Le premier ministre avait interdit à feu le Noura, Sa Majesté Momodjoya, qui avait voulu évoquer le problème pendant le grand dialogue. Il a même de l'alternance. Il a même. Non, il a qu'on parlait de tout, qu'on doit débattre de la forme de l'État. Et le premier ministre qui coordonnait les travaux était obligé de se lever pour lui dire que on ne parle pas de ça. Bon, il n'y avait pas. En ce qui me concerne, le mot tabou, c'est difficile de dire que. Puisque c'était libre. Et les gens sont venus pour parler, ils ont parlé. Mais en ce qui concerne la question de la forme de l'État, oui. Comme dans les années, lors de la tripartite en 91, on a dû parler et on a conclu sur la décentralisation. C'était la décentralisation est sortie après les débats lors de la tripartite et après donc le grand débat, on appelait ça le large débat qui a été dirigé par la commission constitutionnelle, ce qui a soldé à une constitution, une nouvelle constitution de 1996. Maintenant, lors du grand dialogue national, il y avait des participants qui sont venus juste pour ça et pour pas, et ils ont parlé. Maintenant, dans la commission sur la décentralisation, puisque sur les 8 commissions, une des commissions était la commission sur la décentralisation. C'est là où ce débat autour de la forme de l'État a été un peu, ça a chauffé. Donc, et beaucoup de délégués qui n'étaient même pas de cette commission sont venus. Moi-même, j'étais dans, aussi là, pourtant j'étais dans la commission sur les réfugiés. Mais beaucoup de gens sont venus puisque la question de la forme de l'État était dans le bouge pour tout le monde. On a donc fait une sorte de compromis pour dire que non, attendez, la Constitution, dans son article 62, nous permet de voir comment on peut donner ce que M. Niamek appelait tout à l'heure le statut spécial. Donc, à travers ce statut spécial, ceux-là qui sont très, très passionnés pour la forme de l'État pour trouver une sorte de porte de sortie ou bien une sorte de solution. C'est comme ça qu'on a adopté le statut spécial. Et M. Niamek a posé la question, à savoir, mais où est ce statut spécial? Je suis d'accord que certaines personnes posent cette question, parce que le statut spécial, depuis que ça a été adopté, ça fait 3 ans, je pense qu'il y a des problèmes autour de ça. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de statut spécial, puisque le statut spécial est clair. Le statut spécial, c'est que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ont une histoire et une culture un peu différente par rapport à leurs frères des autres 8 régions. Donc, à cause de cette spécificité, ils peuvent, dans leur organisation politique ou régionale, avoir une organisation et un fonctionnement spécial. Très bien. qui n'est pas dans les autres 8 régions. C'est pour cela que ils ont une assemblée générale au lieu de d'un conseil général, un conseil régional comme les autres 8 régions. C'est pour cela qu'ils ont une assemblée générale bicamérale, pourtant les autres ont unicamérale. C'est pour cela qu'ils ont un conciliateur régional, pourtant les autres 8 régions n'ont pas ça. C'est pour cela qu'ils ont une capacité de créer leur propre structure régionale pour le développement local. Ce que les autres 8 régions n'ont pas. Eux peuvent créer des structures de développement local. C'est ça le statut spécial. Les autres 8 régions n'ont pas ce pour l'instant, ça provision. Mais bon, trois ans plus tard, il y a deux problèmes. Deux problèmes, puisque M. Niamek a posé cette question. Deux problèmes. Premier problème, c'est que c'est tout à fait naturel que pour faire des actions, il faut des moyens. Et j'ai comme l'impression que certains estiment qu'ils ont besoin de beaucoup de moyens pour faire. Pour faire quelque chose ou pour faire une action, je ne peux pas dire non puisque c'est eux qui gèrent. Deuxième problème, c'est que, quel que soit le cas,
chaque fois que vous avez un pouvoir, puisque j'appelle, le statut spécial donne des pouvoirs supplémentaires en plus de la décentralisation. Ça vous donne des avantages, c'est-à-dire des capacités beaucoup plus. Si vous avez le pouvoir, il faut être... Oui. Notre problème n'est pas sur tout ce que vous êtes en train d'énumérer là. Vous le dites très bien. Oui. Mais notre problème est de savoir si cela est réel. Est-ce que c'est visible? Est-ce que nous pouvons toucher du doigt l'heure? Non, c'est rien parce qu'eux, ils travaillent. Et ils sont contents de travailler. Mais je pense que si vous le demandez vous-même... Ce matin, je les écoutais. J'ai écouté le président du conseil régional de l'Assemblée générale de Sud-Ouest et de Nord-Ouest. Ce matin, ils ont parlé à la CLTV, à la radio. Et vous avez l'impression que, bon, ce qu'ils disent, c'est que ils ont besoin toujours de beaucoup plus de ressources, mais je pense qu'ils ont aussi besoin de communiquer plus, ils ont aussi besoin d'avoir ce qu'on appelle un renforcement de capacité, c'est-à-dire, puisque c'est nouveau, il n'y a que 3 ans, ils ont besoin de beaucoup de, qu'est-ce qu'on va dire, stages, de formation, de recyclage, puisque il faut, pour avoir la maîtrise de ce que vous avez, il faut que vous vous mettez au travail. À travers votre propre formation, recyclage et tout, il faut faire, il faut oser, il faut... Parce que sinon, vous serez comme un couple qui s'est marié, mais qui se demande s'ils sont mariés ou non. C'est en fait, c'est là où nous sommes. Merci beaucoup, hein. Pierre Blériot-Niemec, pour le professeur Elvis Ngolet-Ngolet. Quelque chose a quand même changé. Ce n'est plus quand même la situation que nous avons connue il y a 5 ans. Quelque chose a changé. Peut-être pas notre rythme, mais il y a une certaine visibilité. Les choses peuvent changer même par la force des choses. C'est-à-dire le temps fait ses choses. L'usure du temps. Il y a deux questions que le président Biya a décidé de laisser à son successeur. Il y a la crise de nos jours. La question de la forme de l'État. Oui. Et la question du retour des restes d'Amadou Ahidjo. N'abordez jamais cette question. Il a dit ces deux questions. Vous allez causer avec le chef de l'État? Moi, je vous dis... Ces deux questions, qui sont des questions nationales. Parce que le président Amadou Ahidjo était quand même le premier président de ce pays. Ses restes sont au Sénégal. Sa famille, on a dit que non, il revenait à sa famille, non. Les restes d'un chef d'État ne sont pas ramenés par la famille. Ce n'est pas un corps de la famille. C'est un corps de la nation. C'est la nation qui peut le faire revenir. Ça, c'est clair. Sinon, il y aura un problème diplomatique entre le Sénégal et le Cameroun. Et d'ailleurs, un président sénégalais l'avait fait savoir à la famille Ahidjo. La famille Ahidjo l'a contacté. Et le président sénégalais a dit, j'ai de très bons rapports avec mon aîné du Cameroun, mais c'est à lui qu'il revient la mission d'engager cette procédure, pas à la famille. Et il y a la question de la forme de l'État. Pourquoi, en fait, il faut comprendre que c'est des mythes pour le président Paul Biya. Le président Paul Biya était très admiratif du président Ahidjo. Et le président Ahidjo lui avait dit que l'unité nationale était quelque chose de capital. De très capital. Donc dans l'imagerie du président Paul Biya, il faut le lui pardonner, il faut le lui concéder, pas pardonner. Le fait qu'on parle de Cameroun qui peut avoir deux états comme ça, c'est comme si c'était la fin du Cameroun. Bon, et quelqu'un d'autre arrivera, il va comprendre que ce n'est pas la fin du Cameroun. Ce n'est pas la fin, c'est une autre modalité. Bien sûr. Ce n'est pas la fin. Et la personne aussi fera venir les restes d'Amadou Ahidjo, parce que Amadou Ahidjo doit être enterré dans ce pays. Est-ce qu'Amadou Ahidjo lui avait également dit que si jamais il meurt, qu'il ne revienne pas au pays? Nous allons lire quelques messages, hein. Alors, bonjour au pays, vous dites grand dialogue national, mais à Paris, le compte rendu a dit grand débat national. En politique et en droit, dialogue est différent de débat. Bonne suite et d'émission. C'est le révérend pasteur Léonard Seyi à Mossomor qui envoie le message. Un autre message ce dimanche. Bonjour Perfecto et à tous vos panélistes. J'ai une question. Quand vous parlez des dialogues nationaux, ça consiste à quoi? Le gouvernement
contre les chefs et les élites du Nozo. On croyait voir ce qui tue nos frères venir dialoguer, mais ça n'a pas été le cas. Monsieur le ministre, vous parlez de sincérité, soyez sérieux. Les familles des victimes vous regardent. Blériot, vous êtes le meilleur. Vous suivre nous donne la joie au cœur. Votre sang-froid et votre franchise nous illuminent. Perfecto, monsieur Eboto est trop jeune. Il ne comprend pas encore ce pays. Et le ministre est hypocrite, avec tout le respect que j'ai pour lui. Autre message ce matin, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Beaucoup de messages, hein. Je suis tout à fait d'accord avec le consultant Blériot. L'ex-directeur général a vraiment prouvé son incompétence. Une fois de plus, en refusant de venir à la cérémonie de passation de service, c'est même qui cette histoire que certaines personnes pensent que quand on les nomme à un poste, il faut seulement attendre venir porter leur cercueil à ces postes avant de penser à nommer quelqu'un d'autre. Vraiment, ce pays, nous allons tout voir. C'est la magie. C'est Faustin à Yaoundé qui envoie le message. Déjà, ils sont même incapables de bitumer la route qui mène à la station d'eau d'Akoumiada. Oh, la politique, vraiment, ils savent seulement voler l'argent. Oh, mon pays, quelle honte. C'est François de Calidu qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour Perfecto, c'est juste que le département de la Bumba Ngoko a autant pleuré. Et puis, bam, on a nommé Gervais Bolingar comme DG de Yokadouma, et Yokadouma était fier. Tout est politique de nos jours. Nous savons tous qu'il est incompétent et il faut que Moussa soit à son tour compétent parce qu'on a besoin d'eau de toute urgence. C'est Aboubakari Adamou de la ville de Garoua qui envoie le message. Bonjour Libre Expression. C'est pitoyable de voir que quelqu'un pense que 48 ans, c'est être jeune. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto ainsi qu'au panel. Dites au monsieur qui insiste sur le manque de respect à la dépouille d'Amadou Ali, que même la dépouille du roi d'Arabie Saoudite a aussi été exposée de la même façon aux yeux du monde. C'est ainsi pour tout musulman, quel que soit son rang social sur terre. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Concernant Kamwater, je ne vois aucun changement, car même à la Camerco, les directeurs ont toujours été changés de la sorte, mais aucun résultat. Les dirigeants camerounais doivent mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Quand on nous laisse les nominations politiques, le Cameroun ne sera pas émergent avec cette façon de faire. Bon débat et bon week-end à tous. C'est Abbas Nasser depuis le rond-point Damas qui envoie le message. Nous allons prendre deux ou trois derniers. Bonjour le plateau, juste pour dire à l'invité qui semble se plaindre de ce que le corps de Ali Amadou soit posé à même le sol, avait-il vu l'enterrement de Hassan II et celui du roi de l'Arabie Saoudite, tu es terre, tu retourneras terre. El Hadj Mairiga Ibrahim qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Rapidement, nous prenons celui-là. Bonjour à ton illustre panel. Bien des choses au ministre Elvis Ngolé pour sa lecture. Autre préoccupation, bonjour Info TV. On ne blague pas avec l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est pourquoi tous ceux qui gèrent l'eau au Cameroun auront toujours les problèmes. D'abord avec la nature, avant que le gouvernement ne mette main sur eux. Vous n'avez pas remarqué que le monde qui passe par ce ministère et qui retrouvent tous dans les problèmes. On ne triche pas avec avec que tu sois ingénieur, non ou pas. Dès lors où tu bois cette eau, seul le carbone va te frapper. Merci, M. Blériot-Niamek, vous êtes une icône pour la jeunesse camerounaise. C'est Edmond depuis Bertois qui envoie le message. Autre message ce matin, bonjour le parfait de la République, sans toutefois oublier ton riche panel, bon développement dans l'ensemble. Mais dites à Blériot-Niamek que malgré son intelligence et l'amour que les gens ont pour lui, qu'il cesse de haïr notre Samuel Eto'o fils national. Il risquera d'être ridicule et surtout dans la communauté Bassa, à bon entendeur salut, c'est Georges Patern de Mimbouman qui envoie le message à Blériot-Niamek. D'accord.
il reste pratiquement 10 bonnes minutes à passer ensemble. Hein. Je voudrais que nous puissions commencer par donner quelques esquisses de solutions, même si nous sommes d'accord que quelque chose a quand même changé, ce n'est plus comme à l'époque, mais il reste quand même, et Boto, nous avons encore été au courant il y a quelques jours, ce kidnapping des religieux du côté du Nouzo, ce qui a fait sortir le pape de là où il se trouvait en disant, en intimant l'ordre, de relâcher ces religieux. C'est la preuve par neuf que de ce côté, ce n'est pas encore la grande inquiétude. Ce n'est pas encore la grande inquiétude, donc en guise de solution, je pense que il faut négocier rapidement un cessez-le-feu. Vraiment. Négocier avec qui? La question est toujours revenue. Les hommes en armes, forcément, si on fait... Donc vous demandez qu'on négocie avec les terroristes. Il faut négocier un cessez-le-feu, ça veut dire... Négocier quoi? Avec qui? Les terroristes? Les combattants? Les hommes en armes sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Il faut négocier avec les Amazoniens. Nous avons parlé du grand dialogue national. Forcément, s'il y a eu grand dialogue national, on a discuté avec des gens. Qu'avec ces mêmes gens négociant, c'est le feu. Vous voyez, dans un conflit, chacun pose quelque chose sur la table pour montrer sa bonne foi. On peut tout dire de l'État, mais l'État a fait un pas. C'est-à-dire, l'État a donné statut spécial, l'État a donné commission de bilinguisme, l'État a donné université, a donné école, le common law, a donné... Il faudrait que les belligérants également montrent leur bonne foi en nous accordant peut-être 2 semaines de trêve par mois. Ce serait un bon début pour essayer de décongestionner, pour essayer de résoudre la crise. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait négocier déjà une trêve, un cessez-le-feu, avec les hommes en armes sur le terrain, pour le bien de la population. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est que moi, j'ai un peu honte quand j'entends parler de crise anglophone. C'est-à-dire problème francophone, anglophone. C'est très colonial, à mon sens. C'est-à-dire qu'il est incompréhensible qu'on puisse... Vous réfléchissez comme le professeur Abou... le professeur, qui pense qu'il n'y a ni Camerounais, ni francophone, ni anglophone. Ils sont tous Camerounais. Il y a des Bayangui, il y a des Béti, il y a des... Donc, je crois que dans cette zone, il faut renforcer le pouvoir des chefs traditionnels. Manière à ce que le monsieur qui se réclamait anglophone comprenne qu'il est un Bayangui, il est un Bakouiri, etc. C'est en fait ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit clair. Hein. Les anglophones, dans leur entièreté, on en a énuméré 3 types différents. C'est-à-dire celui qui veut la sécession, celui qui veut le fédéralisme et celui qui veut la confédération. Ils ont le même dénominateur commun, c'est qu'ils estiment qu'ils ont leur culture qui a été éludée, etc. Ça, c'est le même dénominateur qu'ils ont en commun. Donc, alors, il faudrait qu'ils sachent que, au moment où le Mali montre à la face de l'Afrique qu'on peut se décoloniser, il ne faudrait pas que l'on continue avec un problème francophone-anglophone dans notre pays. C'est quand même bas. C'est compris. Hein. Donc, oui. Ceux qui se réclament de la colonisation allemande, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont également monter au créneau pour diviser également le pays à leur niveau. Donc, je crois que, comme solution, il faudrait que l'on puisse renforcer au niveau de l'éducation dans cette zone-là, au niveau du pouvoir du chef traditionnel, l'appartenance à la tribu et non l'appartenance à la langue anglaise. Merci beaucoup. Emmanuel Atuba, la question a toujours été posée pour le cas du Cameroun. Est-ce que en recherchant les solutions de sortie des crises, est-ce qu'il faut absolument négocier de manière claire avec ce que l'on appelle au Cameroun les Ambazoniens? Je pense que nous, pour avoir une solution à ce problème, on sera obligé de rentrer par là où on aurait dû commencer, c'est-à-dire que les Camerounais se parlent par le dialogue. Vous voyez, je crois qu'on s'est obligé de rentrer sur la solution du cardinal Toumi. Le problème anglophone est un problème politique, est un problème de politique publique. Vous vous rendez compte que 60 ans après, comme disait le jeune frère tout à l'heure, il n'y a pas eu de politique allant dans le sens de rappeler aux Camerounais qu'ils sont d'abord un peuple avant d'être des colonies. C'est-à-dire qu'au niveau pratique, d'abord,
aujourd'hui, nous sommes, on était encore en train de parler du système éducatif. On était en train de parler du système judiciaire. Oh, je pense qu'on aurait dû, c'est-à-dire que ça devait être déjà derrière nous, c'est après 60 ans d'indépendance, c'est-à-dire l'uniformation des systèmes, que ce soit éducatifs et des systèmes judiciaires, par exemple. Qu'est-ce qu'on avait à faire? C'est prendre ce qui est bien dans les systèmes anglophones et puis on agençait. On avait un système camerounais qui nous dépouillait de ces reliquats coloniales. Donc, la solution, comme je pense qu'il faudra à un moment que les Camerounais se réasseyent et qu'il y ait des politiques qu'on applique, qu'on implémente. Très bien. Pour redéfinir, il faut qu'on devienne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, le Cameroun n'a pas réussi à se donner sa propre identité en tant qu'État. Donc, il faut repartir de là. C'est compris. Pour construire la paix dans ces régions. Pierre Blériot-Niemec, pour certains, le gouvernement qui va négocier avec des terroristes, qui va négocier avec ces sécessionnistes, qui va négocier avec ces barbares, c'est tout simplement la preuve par neuf que le gouvernement est à genoux. Or, entre-temps, quelqu'un te dira, l'État ne doit pas être à genoux. On ne négocie pas avec les terroristes. Je vais vous dire que selon les linguistes, le français et l'anglais sont des langues africaines. La linguistique est une langue, est une science. Ce sont désormais des langues africaines. Il faut que les Africains le sachent. Parce que pratiquer une langue pendant plus de 60 ans, il ne faut pas plus pour l'inculturer. Vous voyez, depuis qu'on échange là, c'est notre langue. Sans l'Afrique, le français n'est qu'une langue purement ethnique. C'est l'Afrique qui donne aux Français ses lettres d'universalité. Nous ne sommes pas des Français. Il faut bien comprendre. Puisque le français se parle dans d'autres pays qui ne sont pas, qui ne sont pas la France. Mais le français et l'anglais sont nos langues. On ne va plus jamais s'en séparer. Y compris l'héritage qu'ils nous ont donné. Donc vous comprenez que les anglophones existent. Les francophones existent. Vous parlez si bien français, je ne suis pas sûr que vous vous exprimez si bien dans votre propre langue. Vous écrivez en français. Mais vous n'êtes pas français. Vous êtes camerounais qui a comme langue véhiculaire le français. Quand je l'ai dit, tous les États négocient. Et le nôtre aussi négocie seulement. Ah bon? Quand on envoie certaines personnes négocier, elles négocient mal. Et nous, on parlait du double jeu. Les gens négocient mal. Parce qu'ils veulent que ça dure. Et ça les rattrape. Oui. Ils veulent que ça dure. Ils veulent que ça dure. Pour prendre les élans. On appelle ça l'économie de la guerre. Ils veulent que ça dure. Depuis, ils savent ce qu'il faut faire. On envoie des gens. C'est un peu comme si parfois ici dit, bon, d'accord, Niemec va donner 10 000 au Cablo. Niemec va donner 3 000. Le Cablo se fait énervé. Il dit qu'il ne met toujours pas Info TV sur le camp. Je reviens encore. Parfois ici, grand exemple. Parfois ici, il donne encore 15 000. Je parle de 5 000. Donc je dérange. C'est moi qui dérange. Donc c'est les médiateurs qui dérangent. On sait déjà, nos frères qui faisaient le bruit veulent se calmer. C'est les médiateurs qui dérangent. Merci. Hein. Professeur Elvis Mbolengolet, vous êtes une élite hein, de cette localité. Vous n'êtes plus à présenter. Une voix d'ailleurs qui porte, mais de lourds soupçons se pose également au niveau de l'élite de cette grande localité. Beaucoup ont estimé que certaines élites, justement, jouent en double jeu. J'ai mauvaise foi. Oui, le moment est venu après presque 6 ans. Pour qu'on laisse tous ces mauvais côtés de jeu, de double jeu, de mauvaise foi et de faux. La manipulation. La manipulation et autres. Puisque, comme le professeur Aboua dit, comme M. Eboutou disait tout à l'heure, je crois que M. Teba a dit la même chose, le moment est venu, après avoir vécu 6 ans de. C'est barbarie dans le nord-ouest et le sud-ouest, de revenir sur le fait que nous sommes ni francophones, ni anglophones, nous ne sommes ni français, ni anglais. Nous ne sommes que les Bayangui, de Bakuri, ou bien de Bassa, ou de Wondo, et il n'y a pas de problème.
je me sens à l'aise quand je suis à Boumiébel ou bien quand je suis dans un village dans la Léké ou bien à Kachambien. Je me sens en Bankoma, je me sens à l'aise. Mm. Je pense que tous les Camerounais doivent penser qu'ils doivent être plus à l'aise d'être Camerounais avant d'être anglais ou francophone ou anglophone. Dès que ça rentre dans notre tête, Michel Boutou disait tout à l'heure que il faut le feu. Moi, je pense que en tant qu'enseignant de relations internationales, le mot cesser le feu a dans le droit international, le droit diplomatique et même les relations internationales une définition spécifique. C'est pour cela que ça peut gêner à certaines. Donc, mais dans la réalité, quel que soit le mot ou la phrase, la réalité c'est que il faut que ceux-là qui ont pris les armes laissent tomber ces armes-là. Dès qu'ils laissent tomber ces armes-là, quel que soit leur nom ou leur appellation, en tant que Camerounais que nous sommes, on peut entrer dans un pacte de cœur. Hein, au lieu de dire cesser le feu, dire un pacte de cœur, c'est un pacte pour la paix. Ça vient de notre cœur, pas notre cœur en tant qu'anglophone ou francophone, non. Notre cœur en tant que Camerounais, quel que soit votre tribu ou bien village. Très bien. Et un pacte de cœur qui permet à ce que... Un pacte social. Un pacte social. Et nous nous donnons un temps précis pour tester. On peut dire un délai de... On dit 60 jours ou 80 jours, 90 jours pour dire que... Entre nous, les Camerounais, quel que soit sécessionniste ou quoi, nous nous donnons 80 jours d'un pacte de cœur. Donc pendant ces 80 jours, ça nous permet donc de se réunir ou de se reparler à nouveau, il n'y a pas de problème. De se dialoguer à nouveau, il n'y a pas de problème, puisque le dialogue ne se termine jamais. Exactement. Tant que vous avez une république, il y aura toujours le dialogue. Puisque c'est entre nous. La république, c'est des citoyens. On aura compris, professeur, que vous prenez encore et encore le dialogue. Oui, le dialogue. Vous êtes un mendiant du dialogue. Un mendiant du dialogue. Merci. Hein. Oui. C'est globalement ce qu'il fallait dire ce dimanche en direct sur Info TV. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit. Nous y reviendrons de temps en temps pour évaluer sur le terrain ce qui a été fait après le grand dialogue national du côté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On dira merci à Pierre Blériot, Niemek, consultant sur Info TV qui était là ce matin. Merci au professeur Elvis Ngolé. Il est enseignant d'université et membre du comité central du RDPC. Merci à Renaud Ebouto, et qui est analyste politique, mais également écrivain. Merci à Emmanuel Ateba, qui est également là ce matin. C'est un homme politique de l'opposition. Il est du MRC. Il est justement de la communication du côté du MRC. À partir de 14h, c'est-à-dire dans une trentaine de minutes, vous allez retrouver votre émission des détentes dimanche VIP. À 17h, vous retrouverez la première rediffusion de votre programme Libre Expression. À 21h, nous vous proposons la deuxième rediffusion de ce programme. Quant à moi, je vous donne également rendez-vous demain à partir de 10h. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs ?